Donc j'espère que ça vous ira si jamais elle fait un petit tour juste pour se montrer. Bah, je pense que tous ceux qui ont des chats connaissent, quoi, qui ont des chats qui font du stream connaissent l'effet de la queue qui passe comme ça. Oui, on appelle ça du tapinage artistique. C'est ça. Est-ce que tu veux nous dire encore quelques mots ou on rejoint l'équipe? Bah, moi, c'est comme tu veux. Je sais pas si tout le monde connaît Katz, hein, de base. Donc, Bon, il y a une bonne on parlait communication. du côté sauvage, mais c'est vraiment un peu la mascarade. C'est vraiment inspiré de Vampire la Mascarade. C'est l'être intelligent qui est arrivé avant l'homme, c'était le chat, en fait. Et il faut oublier tout ce qu'on sait dans les livres d'histoire. Et ils ont évolué, bien évidemment. Bah, il y a eu des petits soucis sur la route, certains chats gourmands, des petites maladies, tout ça. Et ces chats qui ont des talents psychiques, des sortes de super pouvoirs, se retrouvent en petit nombre et se disent, bon, bah, un esclave qui ne sait pas qu'il est esclave, finalement, bah, ne va pas se rebeller contre son maître. Et donc, aujourd'hui, en fait, quand on joue dans Cass, on joue généralement dans un univers contemporain. Il y a encore très peu de scénarios historiques. Mais il y a des bonnes pistes qui vont arriver. On espère que ce jeu plaira quand même aux gens les plus simples, parce que c'est un jeu qui peut jouer de façon très sérieuse, comme de façon très débile. Et d'ailleurs, on verra avec l'équipe ce soir. Je crois qu'on a plutôt décidé de jouer plutôt fun pour se Ouais, faire on est là plaisir pour que. s'amuser un petit peu, oui. Bon, vous aurez toujours une mission. Après, moi j'aime bien mettre des bâtons de berger dans les roues. Ok, donc je vais passer sur la team Cats. Tac, normalement je me suis pas trompé d'écran. Ouais, c'est bon. Et donc, pour ceux qui ont l'habitude de suivre les lives, vous les connaissez, hein, nous avons Renindigo qui sera Sinsé de son nom d'esclave. Non, son nom attribué, pardon, par un maître. T'es contente de jouer un chat? Ben oui, hein. C'est mieux qu'un humain, écoute. Ça change surtout. On a notre Lolo qui joue. Alors, c'est chiant à dire ton truc. Shushumaru. Shushumaru? Comment tu le prononces, toi? Ah, on t'entend pas, Lolo. J'avais désactivé mon micro. Bonsoir tout le monde. Non, moi je dis Chouchou. D'accord. Banade? Oui, très content moi de jouer un chat. J'aime bien les chats. Alors toi tu Avec leur t'appelles caractère changeant. Ribot? Et moi je m'appelle. Reboot, Je sais reboot. pas trop, Reboot ou Mirou. C'est plus ça qui m'a Miro. donné envie perso, mais les deux sont. Se disent, quoi. Alors oui, on a deux noms en vérité, j'avais pas la place pour les mettre, mais il y a un autre nom. Alors si tu me corriges, hein, Mélie, mais on a notre nom, donc Simesque, et notre nom attribué par un humain, c'est ça? En fait, généralement, j'ai remarqué qu'en convention, ça plaisait pas mal d'avoir un nom humain. Donc, en fait, on a décidé de le garder. Souvent, on le met entre parenthèses, puisque votre vrai nom. Votre vrai nom de chat, ça va être Mirou ou Mirou. Et du coup, il y a un peu un son guttural qui généralement active, on va dire, l'esprit félin dans les joueurs. Et pour ma part, et ce sera bolchevique. C'est un chat qui est pas tant que ça attiré par le rouge, mais voilà, moi j'avais bien aimé le nom, donc j'ai choisi entre autres ce personnage parce que il y avait quelques petites caractéristiques qui m'intéressaient. Alors qu'est-ce que tu nous prépares un peu comme ça? Est-ce qu'on en parle un petit peu ou pas avec l'équipe, les règles, un petit peu des règles, des choses comme ça, histoire qu'on Ouais, je soit. pense qu'on va avoir besoin, ouais. Surtout que j'ai encore un peu site de lancement de dés à paramétrer avec, s'il ne me trompe pas, Reboot. Donc, on va peut-être parler d'abord du scénario pour vous situer un petit peu plus facilement. Le scénario de Qui donne sa langue au chat, historiquement, c'est un scénario que j'ai créé pour ma première maîtrise quand j'étais. Je suis passée, MJP d'ailleurs. Je n'avais encore jamais masterisé de ma vie. Et quand j'ai mené en fait ma première partie, je me voyais pas trop faire un scénario officiel. J'avais beaucoup trop de mal à intégrer les règles, ou du moins les propositions qu'il y avait. J'avais pas cette habitude-là. Et ça fait plus de, je sais pas, plus de 70 fois que j'ai dû jouer facilement, voire même un peu plus d'ailleurs, en convention. Il a déjà 7 ans.
Le principe de ce scénario, donc, qui donne sa langue au chat, c'est qu'il y a des mois de développement. Il y a un humain qui a développé ce qu'on appelle une application mobile, une vaine tentative simiesque, qui s'appelle MewTalk. Malheureusement, elle menace de permettre aux simiesques, les humains, de parler félin, du moins de comprendre ce que dit son chat domestique. Et en fait, ses résultats sont tellement stupéfiants que, d'après les premiers essais, parus notamment dans la presse spécialisée, ça semblerait être une avancée technologique géniale. Et par contre, ça risque fortement de mettre à mal le Conseil de Paris, notamment la junte féline. Évidemment, le Conseil de Paris est débordé, et vous venez à peine de sortir de la litière. Donc clairement, vous êtes des jeunes chats, vous étiez en formation pour le Conseil de Paris, et en fait, vous n'avez aucune expérience. Hein. C'est certain, vous êtes à peine sorti de la litière de votre mère qu'on vous envoie en première mission pour sauver la mascarade. Et vous allez relever en fait un agent qui, lui, empêche temporairement, avec notamment un brouilleur électronique à l'entreprise, le lancement de l'application. Donc votre but, c'est tout simplement de mettre fin à la menace, et ce, de la plus belle et héroïque des façons, avec vos griffes et éventuellement quelques gratuites. Voilà. C'est vrai que vous aviez pas du tout eu le synopsis, mais typiquement, c'est ça. Vous êtes des jeunes chats, et si vous faites des fautes, c'est pas vraiment votre faute. De toute façon, on est déjà en soi, des chats en soi, c'est jamais vraiment notre faute. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Au niveau du système, je ne sais pas si vous avez beaucoup de questions directement. J'ai pu en expliquer à quelques-uns des joueurs. Moi, peut-être. Je Alors, 4, c'est un jeu de rôle qui se joue donc, du coup, avec un système de D10, donc un dé à 10 faces. Hein. Et ce qui est très sympathique dans 4 et qui m'a beaucoup attiré dès le début, c'est le fait qu'il y a très peu de types de jets de dés. Alors, sur la fiche, on en voit principalement 2, qui sont les jets de caractéristiques et les jets de compétences. Il existe aussi des jets en opposition qui ont fait la même, le même jet ou des jets de combat. Dans le cadre d'un one shot, je m'épargne les calculs de jets de combat, personnellement. Mais parce que c'est plus pour gagner un peu en fluidité dans la partie. Sachant que bon là en même temps je veux pas trop dévoiler le scénario, mais bon, il y a peu de chances quand même que j'ai vraiment besoin de lancer des jets de combat de fifou. Quoi, il va pas y avoir des gros battles avec des chaînes et des baramines, c'est nul. Je ne dirai pas contre quoi vous allez vous bagarrer, mais vous aurez toute l'occasion de découvrir cela pendant la partie. Et il y a les talents. Donc les talents, je vais peut-être commencer par ça, c'est ce qu'on appelle les talents psychiques. C'est ce qui fait que vous êtes supérieur à l'humain, et c'est ce qui fait que malheureusement vous avez besoin de l'humain, parce que vous n'avez pas de pouce prêt en soi. D'accord. Parce que ça fatigue. Un talent psychique, c'est utilisé avec votre mental, et bien évidemment ça vous permet de contrôler par exemple votre force, enfin d'avoir un peu plus de force si vous utilisez par exemple force, si vous avez brouilleur électronique, d'empêcher par exemple un appareil électronique dans un périmètre de marché, le temps où vous êtes là. Ça peut être aussi tout simplement un passe-muraille, passer à travers les murs et autres. Tous ces talents-là, en fait, vous n'aurez pas besoin de lancer des dés pour. Par contre, il faudra m'indiquer quand est-ce que vous les utilisez pour que moi je puisse les intégrer au niveau de la narration, et je vous indiquerai le nombre de rangs à cocher par rapport à vos talents. On pourra d'ailleurs refaire une base dessus tout à l'heure. Je vous expliquerai plus amplement si vous avez une question principale sur un talent. Je pense que ça peut être utile, histoire que, voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, dans un one shot, il y a 24 cases de talents à cocher avant d'avoir des malus. C'est aussi simple que ça. Bon, ça va. Pour les jets de carac et de compétences, c'est aussi simple que ça. On a toute une partie de caractéristiques qui sont au niveau des patounes, et au milieu des patounes, il y a ce qu'on appelle les points de chance. Le point de chance, c'est le nombre de dés à 10 faces que vous allez pouvoir lancer. Donc si j'ai 2 en chance, je peux lancer 2 dés 10 hein, au niveau de mon jet. Le principe étant que quand je vais lancer mes dés, je n'en garderai qu'un seul, et souvent on va chercher à avoir le meilleur, puisque ça va de 1 à 10, on va chercher à avoir celui qui fait 10. On garde le meilleur dé à 10 faces, et à cela on va rajouter un modificateur. Dans le cadre de la caractéristiques. Par exemple, si j'ai 3 en caresse, je vais rajouter 2 fois la caresse. Donc 2 fois 3. Donc si, admettons, j'ai fait 8, je vais rajouter 2 fois 3, donc ça fait 6. Ça fait donc du coup un total de 14. Et donc c'est ce total-là que vous allez annoncer au MJ.
Là, jusqu'ici? Par personne, au niveau des joueurs? Tu nous le rappelleras au cas où, oui, ça va. Oui, non, il faudra pas hésiter à me la question. Sachant que sur votre fiche, Bébé a très bien fait le taf là-dessus. Ils ont fait un rappel sur c'est quoi la chance, c'est quoi la difficulté, et un rappel sur notamment les critiques. Je vais revenir aux critiques. Dans le cadre de CATS, il y a effectivement des succès et des échecs critiques. Le seul jet pour lequel on ne peut pas faire d'échec ou de succès critique, c'est tout simplement le jet de caractéristiques. Donc à partir de là, notamment sur les compétences, c'est très sympa d'utiliser ses compétences parfois plutôt que ses talents, parce que si on fait un succès ou un échec critique, enfin un succès, on gagne un en chance en plus, donc on a plus de chance à lancer après. On n'est plus à 2, mais on passe à 3. Ouais. Par contre, si on avait un échec, on passerait de 2 à 1, sachant que ça jugule entre 1 et 5. En campagne, l'avantage, c'est que ça vous offre des points d'XP. À chaque fois que vous faites un critique, vous avez un point d'XP qui s'ajoute à votre score que vous pouvez dépenser par la suite. Pour les compétences, c'est très très simple. Vous allez voir qu'il y a sur vos feuilles différentes indications juste après la compétence. Par exemple, dans culture générale, vous allez trouver CHB. Non, ce n'est pas le nom d'une nouvelle drogue, je vous rassure. Ça veut simplement dire chat, humain, basse-tête. Donc le chat, c'est ce que vous allez jouer ce soir. L'humain, c'est un simiesque, c'est votre esclave. Et un basse-tête, excusez-moi, c'est un chat en fait qui contrôle le corps d'un humain qui malheureusement, après un contrôle mental qui a un peu dérapé, est resté coincé dans le corps du simiesque. Voilà, un peu comme moi, quoi. À ce niveau-là, au niveau du jet de compétences, c'est le meilleur des 10 que vous avez. Et vous allez ajouter la base plus le rang. Le seul point, c'est que quand vous avez un X dans langage humain, vous ne pouvez pas comprendre le langage humain. Alors, pour langage humain, je précise, c'est comprendre le langage humain lorsqu'il est parlé. Vous ne pouvez ni le lire, ni l'écrire en tant que chat. Donc de facto, quand vous avez un X et que vous n'avez pas un rang minimum en langage humain, c'est la seule compétence que vous ne pouvez pas utiliser. Si vous n'avez pas de rang, c'est pas grave, puisqu'en fait, la base est liée par rapport à vos caractéristiques. Et le rang, ça montre à quel point soit vous équilibrez, à quel point vous êtes mauvais dans une compétence, soit ça vous permet en fait d'être un peu plus expert, tout simplement. Vous allez ajouter donc la base plus le rang. Donc, quand par exemple la fiche de bolchevique, admettons si je faisais un jet de escalade, vu que tu as 5 en base et 3 en rang, j'ajouterais 8 comme modificateur à mon jet de. Alors j'ai 5 en base à escalade. À escalade. J'ai 3 en base. Non, ah pardon, excuse-moi, j'étais sur la fiche de Sensei. je suis restée sur une fiche, j'ai pris la première, j'étais persuadée d'être sur la tienne. Donc sur la fiche de Sensei, je corrige, qui a 5 en base et 3 en rang, donc ça fait un modificateur de 8, c'est plutôt bon parce qu'on peut aller que de 1 à 10 hein, au total comme modificateur. Mm-hmm. Ça veut dire que Sensei est très athlétique. On n'en doute pas d'ailleurs, à sa tête. Oui, bien sûr. Mm. Voilà. Mais justement, tu parlais de langage humain. Moi, par exemple, j'ai 2 en base, mais X en rang. Bah, ça veut dire que tu ne comprends pas le langage humain. Mais ces fiches sont un peu pétées, mais elles sont faites exprès. D'accord. Vous n'avez pas de chance, parce que j'ai voulu effectivement éviter un certain nombre de choses pour guider un petit peu les scénarios. Et je prévois de les corriger par la suite, enfin, les rééquilibrer un petit peu. Mais ces fiches-là sont en fait... les 6 fiches que je vous ai proposées font partie d'un pack de 18 fiches où je me suis amusée à faire une fiche par race de cats pour octobre 2022. Donc j'ai fait ça la semaine juste avant et j'ai essayé d'équilibrer en fait au mieux les talents et les compétences pour que chaque chat ait un petit peu ses pattes de quoi griffer, quoi, tout simplement. Oui. Voilà. Okay. À ce niveau-là, ce que je peux recommander généralement, souvent quand on commence une partie, et je voudrais vous proposer la même chose, c'est de présenter votre chat. Comment s'appelle votre chat, il a quel âge, que c'est un mâle ou une femelle, qu'il aime bien les humains. Quand on aime bien un humain, on l'appelle humain. Quand on le méprise, on l'appelle simiesque. Et quand on l'aime assez parce qu'il nous donne à manger, on l'appelle ouvre-boîte. Voilà.
Vous pouvez parler de vos qualités, de vos défauts. Ce sont des... Alors, ça, les qualités et défauts, c'est ce qui a donné du corps au personnage, mais c'est déjà calculé si ça donne un avantage ou non les caractéristiques ou les compétences. Ça ne donne jamais d'avantage en plus au niveau des talents. Vous pouvez aussi parler des talents. Éventuellement, ce que je pourrais faire pour ceux qui veulent, je vais peut-être copier une image pour vous redonner la possibilité de voir à quoi correspondent exactement les talents, plus précisément. Je pense que là, tout de suite, comme ça, vous n'allez pas forcément très bien comprendre tout ce qui se passe et comment ça s'interfère. Mais j'ai la possibilité de vous mettre ça sur le miroir. J'avais juste une petite question, du coup. Bien sûr. Réputation et faction, est-ce que c'est quelque chose dont on tient compte, là, actuellement, ou pas? Alors, si vous voulez jouer en... Vous pouvez en tenir compte. Dans le cadre où on fait une partie fun, c'est pas forcément indiqué ou contre-indiqué. C'est un peu comme on veut. C'est assez important quand on joue notamment plusieurs parties. La réputation, c'est veut dire que vous avez réussi un certain nombre de missions que vous avez gagné en réputation auprès du Conseil de Paris. Et du coup, c'est assez important. Voilà. À ce niveau-là, par contre, la faction, c'est un peu le clan politique auquel vous appartenez, un peu comme dans Vampire. D'accord. Par exemple, si tu es un écologiste, tu es pour enlever le cancer humain de la planète. Si tu es un passéiste, tu as l'impression qu'il vaut mieux abandonner la Terre et aller sur la Lune. Donc, par exemple, on pourrait dire que les passéistes sont plutôt des chats qui sont investis dans tout ce qui est NASA et compagnie. Eux, ils rêvent d'aller sur la Lune. etc, etc. Donc ça peut être quelque chose que vous pouvez prendre. Je force jamais en one shot à utiliser les clans et les factions politiques parce que c'est plus ou moins intéressant. Donc à vous de voir, dites-moi si vous voulez l'utiliser. Non, c'était juste pour information. Enfin, non, on fait une partie découverte. Hein. Oui, là c'est plus ça, on va pas rentrer dans les détails vraiment techniques. Sera poussé. Mais jouer des chats mignons, vaut mieux pas mettre les factions. Ouais, voilà, c'est pour ça. C'est marrant, n'empêche, toute la description que tu viens de faire, justement, donc de ces chats qui sont en rapport avec la NASA, ça me fait penser à Love, Death and Robots, le truc avec les trois robots à chaque fois. J'en ai entendu parler pendant 10 mois et j'ai finalement regardé cette année. Le truc avec les chats, c'est juste très troll à chaque fois. Ah bah, toujours, mais en même temps, c'est tellement vilain les chats. Bon, je passe sur l'écran parti, c'est bon pour tout le monde? Allez, on est parti. Voici la map, puisque nous sommes dans une maison. Alors, ce sera pas tout à fait une maison. On va démarrer tout simplement, en fait, dans le grenier de la Sorbonne. Donc, j'avais pas de plan, j'ai pas regardé si on avait un nouveau dans le PDF, pour être tout à fait honnête. Donc, j'ai décidé que ce plan-là, que j'avais trouvé rapidement, serait... le grenier de la Sorbonne, une partie au moins en tout cas de la Sorbonne, avec un escalier, donc vous êtes dans cette partie-là quand vous démarrez. Est-ce que vous voulez qu'on revoie peut-être vos talents avant, ou est-ce que vous voulez démarrer directement et présenter vos chats? Au niveau de... On peut... y aller, ouais, on attaque, on fera au fur et à mesure. D'accord. Alors, bah, c'est très bien. C'est parfait. Donc, vous êtes conviés un matin, tout simplement, dans le grenier de la Sorbonne. Généralement, vous savez que dans le grenier de la Sorbonne, ce qui est très intéressant, c'est le fait que si vous êtes invité directement dans ce fameux grenier, c'est généralement parce que il y a le Conseil de Paris. Quand vous arrivez, vous êtes un petit peu étonné, il n'y a qu'un seul chat qui s'y trouve et qui, bien évidemment, vous regarde. Vous le reconnaissez, c'est le président du Conseil de Paris. Ces simiesques ont l'habitude d'appeler Chachou, ne cherchez absolument pas pourquoi, ça n'a aucun problème. Il s'appelle Miuri. Miuri, c'est un grand chat plutôt assez poilu, hein. C'est quand même un ragdoll.
Et ce ragdoll, il est en place depuis déjà plusieurs années. Il fait plutôt partie de la faction des interventionnistes, donc il est plutôt pour protéger les agents et notamment le conseil de la mascarade pour ne pas déchirer le voile, comme on dit. Et vous savez, les chats, ça aime bien faire des petits accros au rideau. Il a l'air un petit peu flippé. Et il vous regarde du haut de son grand carton et fait Niaou. Écoutez, je ne sais pas comment ne pas tourner autour du pot de lait, mais voyons, comment dire. Voyez-vous, nous avons apparemment une recrudescence d'alerte au sein du Conseil de Paris, et notamment, nous avons eu vent d'agents qui sont revenus de mission et qui malheureusement n'ont pas pu revenir dans leur carton chauffant. Certains Vendetta et une Felicity qui sont tombés malades. Donc maintenant chez le coupe-coupe, et ils ont eu juste assez de temps pour nous fournir des informations. J'ai malheureusement un manque d'agents, comme vous pouvez le voir. Tout le monde est déjà parti sur le terrain et je reste là pour coordonner un peu certaines actions. J'ai eu vent que vous aviez, été fortement recommandé par les différentes factions auxquelles vous appartenez. Enfin, un certain nombre de chats éminents, de minettes ayant le poil le brillant et n'arrêtant pas de vanter à quel point vous pouviez être athlète, intelligent, brillant et autres. Je vous ai donc fait venir ce matin pour demander votre aide, tout simplement. Je sais que vous n'avez encore jamais fait de mission, mais bon, je pense que cela devrait rentrer tout simplement dans vos compétences. C'était... Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Ah, oui, vous, comment dire, je perds un petit peu la boule, comme diraient les simiesques. Comment vous brossez le poil de cette mission? Eh bien, écoutez, il s'agit d'un humain, un simiesque, qui apparemment aurait créé une tentative technologique qui semble marcher, et dont nous n'avions que faire, en fait, tout simplement, ces derniers temps. Le problème, c'est qu'apparemment, sa technologie semble marcher et traduire tout ce que nous disons. Tant vous dire que quand nous avons envie de dire tout simplement « crétin d'humain » parce que nous méprisons cet humain, ou « j'ai fait pipi sur ton lit », ce n'est pas des plus reluisants quand l'humain tout d'un coup se rend compte que potentiellement, il n'a pas mal compris l'application et il n'a pas de bug. comme vous savez, donc ces deux agents vivaient dans ce carton chauffant et ils nous ont juste transmis une image du jardin où il y a une étendue d'eau avec grand mur de plastique, je sais pas trop quoi, transparent, mais il y a des petites portes devant et vous pouvez donc passer à l'intérieur. Seule image que j'ai malheureusement, c'est ce qu'on voit à travers cette grande ce grand mur un petit peu transparent et les deux choses qu'apparemment il faudrait détruire dans la maison, qui sont tout simplement celles-ci. Alors, je vais expliquer peut-être un petit point de règle. Dans Casa Mascarade, les chats parlent par télépathie. Si les chats ne se voient pas, ils ne peuvent pas se parler. D'accord. Donc c'est que rapport visuel. Voilà. Sauf si vous avez télépathie, vous pouvez parler à des chats dans un certain périmètre, si certains ont télépathie, ce que j'ai cru voir. Malheureusement, ces chats ne peuvent pas vous répondre. Le désavantage, c'est que les personnes qui ont télépathie n'ont pas langage humain, donc ils ne pourront pas rendre fou un humain en disant « donne-moi à manger !» comme une petite voix dans la tête. À ce niveau-là, il vous transmet deux images, tout simplement, que je vais mettre sur le board pour que vous puissiez le voir, qui sont celles d'un ordinateur portable et d'un disque dur externe. Alors, hop, je vais mettre juste par ici pour l'instant. Et il vous montre, donc, au niveau de l'ordinateur, il semble vous indiquer qu'apparemment c'est pas l'écran, mais l'espèce de cage en fer qui est à côté, dont il faudrait se débarrasser, et qui a un disque dur externe. À ce niveau-là, je vais donc maintenant
Toutes les poignées ont des portes, enfin toutes les portes ont des poignées rondes. Je vais y arriver. ce qui fait que quand vous voudrez ouvrir une porte, je préfère le préciser avant le début du scénario, vous aurez un travail d'équipe avec quelqu'un qui devra faire un jet de saut et l'autre qui devra faire un jet de force pour pousser la porte. Voilà. Je vais revenir sur le ragdoll. Chachou s'exprime et se hausse un petit peu. Il vous envoie donc ces deux images d'un ordinateur et d'un disque dur et commence à stresser un petit peu. Vous sentez qu'il y a les griffes qui se rentrent dans le carton et tout. Et... voilà, comprenez que nous sommes un petit peu, comment dire, en manque d'agents et que malheureusement l'agent qui m'a transmis les informations étant chez le coucou, je crois qu'il est tombé dans les vapes. J'aurais néanmoins quelques informations de plus à vous donner. Cette semaine-là, l'humain chez qui, l'humain qui vit chez eux, plus ou moins, est à l'entreprise. Nous avons dépêché un agent pour empêcher une sorte de mise à jour simiesque, informatique, je ne sais quoi, puisque c'est une mise à jour qui est critique avant d'implémenter quelque chose qui se trouve sur ces deux objets. Et cet humain vit donc en banlieue parisienne. Nous allons vous téléporter directement là-bas, mais disons qu'il n'est pas impossible qu'il y ait des chatons de la famille, enfin voilà, des chatons humains, une femelle de la même portée que lui, peut-être sa mère, qui soit là cette semaine apparemment en visite. Donc, nous ne savons pas quand est-ce qu'ils seront là ou non. Et au-dessus, il y a, je crois, 2-3 chatons humains qui ont tendance à beaucoup faire de bruit et à courir partout dans l'appartement, avec une mère humaine qui a tendance à un petit peu crier et rigoler derrière, mais qui souvent crie plus qu'elle ne rit. Voilà. Malheureusement, pas beaucoup plus d'indications à vous donner, vu que c'est toutes celles que j'ai pu rassembler jusqu'ici. Peut-être que l'un d'entre vous, d'ailleurs, aurait peut-être envie d'être tout simplement le chef d'équipe de cette mission, très important quand même, puisque on est quand même obligé de demander à des futurs et jeunes recrues brillantes comme vous de nous aider. Alors, donc en gros, la question c'est qui veut être le boss. En Rama ou pas moi. Moi, j'aimerais bien me léchouiller un petit peu la patte et me gratter derrière l'oreille comme ça. J'ai eu peur. Et demander pour qu'est-ce qu'on y gagne à faire ça, monsieur Chouchou. Si la mission est effectivement un succès, vous gagnerez non pas seulement l'estime des membres du Conseil de Paris, mais un repas gratuit chez Foufou, qui fait des super bons poulets et de la semoule. Mais on vous laissera la semoule goûter, bien évidemment. Ma ça ouf, beaucoup d'efforts quoi. D'être chef. Oui. Je m'avance, doucement, avec grâce. J'aurais dit avec graisse. Oh non, c'est plus plutôt athlétique. Athlétique. C'est vrai. Oui, je suis une très athlétique, très velte. Je tenais, personne n'a le défaut gourmand. Incroyable. Non. Non. Ah, ça, voilà, ce sera une première. Bon, ça va, vous avez déjà à peu près équilibré. Mais très bien, très bien. Écoutez, je suis ravie. J'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont parlé de vous. Donc, j'ai très, très hâte, effectivement. Bien, écoutez, si vous avez d'autres questions, je reste à votre disposition. Mais il faudra bientôt que je parte. J'ai moi-même une mission à mener. Moi, je regarde comme ça, j'observe la scène et tout, et je fais camarade, ne les croyez pas, ils vous mentent, ils vous spolient. Vive le prolétariat. Arlette ? Pardon. Hors sujet. Voilà. Ah oui, parce que je m'avance. En plus, je suis boiteux, donc j'avance un petit peu comme ça. Moi, je les connais bien, tous ces simesques-là. Ils nous promettent beaucoup de choses, mais à la fin, aura-t-on réellement le faux-faux ?
Il vient de traiter le président du conseil de Paris de simiesque. Oh bah si t'avais vu ce que j'avais fait dans Vampire la Mascarade, tu serais pas ça prêt. Coucou. Confirme. Ouais, les chats nous surveillent, je crois. C'est ça. L'antenne est sortie. Ah, très bien. Et du coup, pas d'autres questions. Vous êtes prêts de bon matin, il est à peu près 9h du matin, à partir directement pour mener à bien. Est-ce qu'on a le choix? Maintenant qu'on sait le veto. Ah non, pas le veto, pas le veto, pas le veto, j'aime pas les piqûres. Voilà. Non, vous n'avez pas le choix. Vous savez très bien que généralement, quand le Conseil de Paris vous demande, c'est un peu compliqué de refuser. Notamment parce que les factions auxquelles vous participez, ou ne serait-ce que l'honneur de votre pauvre chat, est en péril, sinon. Donc, pas d'autres questions, c'est bon ? Moi, je me lève sur mes quatre pattes, je m'étire de tout ce que je peux en sortant bien les griffes sur le sol. Allons-y. Ah, tous ces jeunes. Allons-y. Très bien. Mais du coup, je vais faire un petit interlude rapidement pour faire un changement de plan. Et oui. Non. Mais c'est magique. Regardez cette technologie, camarade. Ne les croyez pas. Ah, je t'aime, mais tu pues, mon chat. Ah, carrément, toi, t'es comme ça, toi. Parle comme ça, ton maître. Bravo. Oh. Et donc, du coup, on va pouvoir replacer les petits tokens dans le jardin, parce que franchement, c'est des petits bâtards. Alors, juste que je me souvienne bien, personne n'a sixième sens, hein, dans les talents. Non. Bon, moi, ça m'arrange. Enfin, j'aime bien sixième sens, mais c'est tendance à rendre parano les gens. C'est un autre jeu, ça. Non. Voilà. Sachant que je vous ai mis à droite de vos fiches les explications de... les explications. Tiens, des croquettes maîtres. Tiens. Des explications pour les talents. Oui, pardon, mais elle me tourne autour depuis tout à l'heure, c'est du tapinage artistique plus là. Pour que vous puissiez voir un petit peu les descriptions et en quoi ça correspond. Si vraiment vous avez une question, vous n'hésitez pas, mais dans le sens où par exemple, je vais donner un exemple tout simple, passe-muraille, on ne peut passer qu'à travers quelque chose de dur, on ne peut pas passer à travers des plantes. Pas passer à travers un humain ni à travers un autre chat. Voilà, c'est des petits exemples qui sont pas marqués dans les explications que je vous ai laissé voir. Voilà. Je crois qu'il nous manquait un post-it pour reboot. Un post-it, qu'est-ce que... Oui. Ah, pour t'aider. Je vais l'expliquer juste très très rapidement. Juste en haut, tout en haut de Miro, tu vas voir deux encoches qui, je pense si c'est en anglais ou en français, disent more apps. Pour plus d'applications. Oui. Voilà, tu cliques dessus, tu vas cliquer sur Mirror, et ça va te faire tout simplement un pop-up. Celui-là, tu le vires, tu fais croix, bienvenue à bord. Et tout en bas, tu vas avoir une nouvelle règle, que je te conseille de ne pas fermer d'une manière ou d'une autre. Il faudra refaire le chemin. Tu vas aller sur le petit dé au début, ça va, sur le D10, puis sur le D6. Attends, je n'ai pas la nouvelle barre, je crois. Où ça? En bas, juste en bas, en plein milieu, à moitié transparent. T'as une roue crantée de configuration, un écran avec une croix au milieu de X-card, et tu as des systèmes complètement à gauche. Ça, t'as 4 boutons et t'as un I de head. Tu le vois? Le petit pipo mirror en live. Oh, bah oui, ça c'est vachement du tapinage, je trouve. Bon, voilà. Je t'ai mis une mini capture d'écran pour que tu vois. Non, ça c'est interdit. Qu'est-ce que c'est quoi? Quand tu as cliqué sur Mirror? J'ai pas ça moi. Qu'est-ce que je dois rajouter, pardon?
En fait, regarde, retourne en haut de ton écran, là où tu as, comment on appelle, tu vois la barre où il y a tous nos pseudos avec nos personnages. Oui. Tu vas sur la gauche, t'as une espèce de truc de réaction, tu vas encore à gauche, et après à côté t'as encore un autre encart avec deux flèches qui descendent vers le bas. Tu mets ta souris dessus, ça te marque More Apps. Oui. Tu cliques dessus, et tu vas sur Mirror. Oui. Quand tu ouvres Mirror, ça va te donner un message, et après ça t'ouvre une barre que tu acceptes, et après ça t'ouvre une barre en bas avec quatre icônes dessus, au milieu de ton écran en bas. Voilà. Tu cliques sur le dé. J'aime bien la pédagogie. Mieux que moi. Il va sur le, voilà, sur le dé poly. De là, tu cliques sur D, tu cliques sur le, là, sur le D6. Non, pas le D6. Si. Ah, si. Si, si, le D6. Si, hein, le D6. Ouais. Et j'ai retenu ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Hein. Moi, on j'appuie. On peut faire pas un message facile de Mirror, parce que sinon, c'est compliqué. Voilà. Et une fois que tu y es, alors toi, il a deux points de chance. Il a deux points de chance. Donc, du coup, tu cliques sur 2D10. Il rentre d'abord son pseudo et après il clique sur 2D10. Ah oui, tu rentres ton pseudo, tu fais 2D10 et tu vas avoir un post-it qui va apparaître avec... Voilà. Voilà, que je vais replacer sur ta fiche. Voilà. Pardon. Et que je vais bloquer... Non, il n'y a pas de souci. Et en fait, à chaque fois que tu tireras les dés, tu pourras aller voir ton résultat à cet endroit-là. Voilà, donc là, par exemple... Comment on allait faire, justement. Alors, les gens, parce que les gens, ils comprennent pas par rapport au Miro, mais voilà, j'explique comment nos fiches sont faites. Je montre à l'écran. Je voulais un tutoriel pour Miro et Mirror, il suffira de rejoindre le Discord de Kat. On fera sûrement un tuto dans les prochaines semaines. Donc ça, c'est Miro. Voilà. Je montre nos têtes. Hop. Voilà. Parfait. En fait, j'avais besoin que tu aies vraiment ce lien. Alors, je te repasse au cas où le lien d'invitation Discord. Oups, là, je perds mes oreilles. Nico, comme ça, si tu veux l'utiliser ou le mettre. Et on va pouvoir, donc, du coup, faire les premiers jets de dés. Voilà pourquoi j'avais absolument besoin que t'aies ton post-it. Vous êtes donc apparu, comme par magie, en vous téléportant. Ouah bon, pardon, miaou. Miaou. Et, et vous avez tout d'un coup vu qu'il y avait apparemment une grande haie, une grande étendue d'eau. Ça peut être très miroitante pour certains. Ou certaines. Et bien évidemment, sur la table de pique-nique. Attends, vas-y doucement avec ton token, le temps que je décrive. Ah non, tu restes en bas, tant que j'ai pas décrit ce qu'il y a dessus. Sur la table de pique-nique, il y a deux animaux qui vous regardent et qui vous jaugent de haut. Mais quand je dis de haut, c'est vraiment de haut, qui font. Camarade, croyez-moi, ils travaillent dans les goulags. Quelles sont ces créatures? Encore des... Moi je dis ça, je dis rien. Pardon, je dis chat. De quoi? Ils vous regardent de haut, ils vous jaugent. N'ont-ils pas honte de nous regarder ainsi, nous qui sommes les maîtres du monde? J'ai comme une envie de croquer quelque chose. Ça sera un avant-goût de foufou. J'hésite. J'ai pas envie de toucher ces rats volants, donc... Je vais les ignorer comme je sais le faire. Ah, j'ai déjà mangé. Mon ouvre-boîte m'a ouvert ce matin, déjà ma pâté. Moi, je les ignore d'un air hautain et méprisant. Fort bien. Eh bien, je vais donc vous demander à tous de faire ce qu'on appelle un jet de vibris. Donc, sur vos fiches, c'est dans la partie caractéristique à droite, il y a un jet qui s'appelle vibris. Donc, il va falloir me jeter 2d10. Quand vous aurez vu les résultats sur vos post-it, vous allez choisir donc le meilleur résultat. Les 1 et les 10 ne comptent pas sur un jet de carac. Et vous allez pouvoir ajouter deux fois la caractéristique vibris. On tente. Où est-ce qu'on clique pour lancer le dé, pardon? Sur le dé. Toujours le même chemin.
Alors j'ai fait un. Tu vas sur le dé en bas, tu fais le D6, tu cliques sur le nombre de dés, tu vas lancer 2D10. Alors on va prendre l'exemple, par exemple, je viens de faire un 1 et un 8. Tu gardes le 8. Le 1 ne compte pas dans un jet de caractéristiques. Voilà. Dans un jet de compétences, je t'aurais forcé à relancer un D10. D'accord. Et donc j'ai 4 en vibris, ce qui fait donc 2 fois ça fait 8, donc ça fait 16. Oui, donc tu as fait 16. D'accord. Bien. Ici, elle a fait 3 et 3, donc. Moi, j'ai fait 11 en tout. Tout à fait, 11. Moi, j'ai fait 12. 12. C'est mes gestes, 1 et 2. Oui. C'est pas ouf, mais c'est. Bah, du coup, t'as fait 10. Parce que là, ah. Du coup, j'ai 2 fois 4, du coup, 8. Et le 1 ne compte pas, et j'ai que le 2. Bah, tu prends le meilleur des deux, tu prends le plus haut. Tu prends que le meilleur. Voilà. Okay. C'est pour ça aussi que c'est bien que je vous mette comme ça, vous avez tous les résultats. On peut expliquer comment on fait autour d'une table physique quand il faut vraiment compter ces jets de dés. C'est plus sympa, c'est une petite révision des tables multiplicatrices. Donc on a 16, on a 12, on a 11 et 10. 10. C'est pas. Ok. Eh bien, tous ceux qui ont fait plus de 11. Désolé. Ah oui, il faut savoir que les niveaux de difficulté sont impairs. Donc, tous ceux qui ont fait plus de 11 ont entendu un petit truc qui sortait de la terre, qui commençait, des petits bouts métalliques qui commencent à sortir, qui font tchic 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 tchic. Que faites-vous? Comment réagissez-vous à cette petite intrusion, on va dire, qui vient de la Terre. Chica, 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 yaya. Yay. C'est une catastrophe. Vite, je n'ai pas envie d'être mouillé. Ah, j'avais pas compris ce que c'était. Ah. Ah bon. Oui, je sais. C'est très malicieux, mais je n'ai jamais dit que j'étais une MJ très sympa. D'accord. Bien évidemment, les deux rats volants s'en vont. Hein. Oui. Bah oui. Pas non plus abusé. Bah moi, je vais me planquer sous la table de jardin. Moi, je vais monter sur la table de jardin. Très bien. Et Sinsé et Reboot. Ah mais là ils sont sortis les tuyaux. Ouais, bah... ils sont en train de sortir. Ah, tu as encore le temps de d'esquiver si tu as compris ce que c'était. Ah non. Ah bah non, c'est... Ah non, bah, alors moi je fonce dessus, hein, je suis trop contente. Et Blo. Comment ça sautiller. Moi je la regarde comme si elle était débile. Je fais la même. Un chat aime l'eau. Okay. C'est bon pour les poils. Okay. Moi je frise. Moi je me crisper un petit peu du coup, voyant les autres réagir et ne comprenant pas pourquoi. Genre en tendant un peu sur mes pattes et en regardant à droite à gauche comme ça. Et si je commence à comprendre, je pense que je sauterai sur la table aussi. Très bien. Eh bien, c'est toi qui avais fait un mauvais géant, c'est ça? Oui. Ouais, donc tu es quand même un petit peu mouillé, les autres, tu ne fais aucun problème, en mode vas-y, je prends ma douche. Pendant que les autres sont plus ou moins, on va dire, à l'abri, vous prenez quand même quelques légères gouttes. Je tiens à préciser que les petits rectangles noirs correspondent à des chatières intégrées au niveau des baies vitrées. D'accord. Fallait lire avant, voilà. Ça. Donc, au cas où, si vous avez envie de fuir, c'est aussi une bonne option. Là, tu me dis si je te gêne. On est quatre, il y a une chaise par personne. Il y en a un qui est en dessous, donc à la limite, pour l'instant, vous avez normalement encore la place. Sauf si délibérément, vous décidez de pousser l'autre. C'est pas faux. Je frotte peut-être la partie mouillée sur lui, on va dire. Si j'ai un petit peu de papate. C'est un bolchevique, il est là. Je feule. Tout autour. Hein. Non, bolchevique, il est en bas, je crois, non? Donc, Oui, bolchevique, il a dit qu'il est sous la table. Ah, donc c'est Chouchou Marron que tu prends. Oui, c'est moi qui suis sur la table.
Génial. Moi, je feule. Après qu'il soit... Après qu'il se soit essuyé sur moi, je feule. C'est ça. Tu feules pour lui faire peur ou pour lui exprimer ta colère ? Pour lui exprimer... bah moi, j'ai... en plus, dans mes défauts, je suis râleur, donc clairement, je vais râler. Donc, dans l'idée... je vais feuler vraiment en mode je râle. Je conteste cette couardise. Moi, je vais avancer du coup un petit peu en t'ignorant et malencontreusement, le bout de la queue va devenir un peu te fouetter le visage au fur et à mesure que je m'écarte de toi. C'est pas possible. C'est vraiment du hasard. Vraiment. Prendra un coup de coussinet. Y'a pas un petit truc à faire tomber de la table par hasard hein? Un cendrier, un truc. Non, y'a rien sur cette table là, et puis les deux trucs marrants qu'il y avait dessus sont partis donc. Très bien. Ah, si, il reste le bolchevik. Non, lui il est sous la table. Non, moi je suis à l'abri sous la table, comme ça les jets passent au-dessus sur vous et moi je suis en dessous. Ah non, les jets sont au ras du sol. Je vois qu'il y en a deux qui sont bien amusés à grossir leur token. Hop. Voilà. D'autres qui ont réduit. Ah ouais, moi je le réduis. Tu veux te le remettre? J'ai fondu. Ouais, c'est ça, t'as essayé de montrer que t'avais du poids, mais en fait, je t'ai vu. Très bien. Vous êtes donc tous sur la table, sous la table et près des jets d'eau. Et bien évidemment, certains sont bien luisants et ruisselants même, tandis que d'autres ont quelques gouttes. Est-ce que vous restez là ? Il semble que ça perdure gentiment. Ce que vous pouvez voir à l'intérieur d'ailleurs, c'est qu'il y a un bon feu de cheminée qui se trouve ici. Peut-être mettre une petite image, parce que j'ai une petite image à vous montrer. De à quoi ressemble la cheminée. Je ne sais plus. Change de quel un peu qu'on voit. Voilà. Ah, je crois que j'ai pas d'image de cheminée. On va voir. Allez, je prends trop long. Y a une petite cheminée qui se trouve juste par là. Rouge. Par ici. Ça écrit pas. Voilà. Juste là où j'ai fait des tourbillons. D'accord. Donc il y a une cheminée, il y a tout ce qui semble être de plus normal. Un espace de confort avec des coussins, une cheminée, il y a même un bol d'eau et un bol de croquettes sur la partie gauche, sur la partie salon. Au milieu, vous voyez une bibliothèque avec un peu des bibliothèques Ikea du style vraiment genre carré et autres, où il y a plein de livres et des endroits où pour se poser. Il y a des escaliers sur les côtés qui vont dans le sens des flèches que je vous ai mis sur le plan. Et il y a une salle à manger avec en fond ce qui semble être potentiellement une cuisine que vous voyez pas très bien pour l'instant. Avec un petit arbre à chat aussi sur le côté. Eh bien, moi je suis un roublard, mais je vous dis quand même... je suis plutôt un chat de l'extérieur, mais je vais quand même aller visiter. Et je rentre comme ça et je me dirige légèrement vers le feu pour un peu me frotter contre les pierres autour. Et puis tourner un petit peu autour des fauteuils pour voir un peu lequel aurait l'honneur de supporter mes petites fesses. Très bien, très bien. Je vais déjà me... Oh, c'est agréable le feu. Comment réagissent tes congénères? Il y a encore de l'eau d'activer ou pas? Non, ça commence à s'arrêter. Mais t'as largement le temps de passer sans forcément l'avoir parce que ça fait des tours en fait. Ça ne fait pas un 360, ça a tendance à tourner. Ok. Ok, très bien. Oh, pareil, moi, je vais me diriger vers l'intérieur alors. Là-bas, c'est ça. Mmh. Tu me laisses et je suis sur mon fauteuil. Oui, je vois ça. Et au niveau de Sensei Chouchoumaru,
Alors vas-y, chouchou. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. Oh ben, c'est quand on va se rendre compte que voilà que ça s'arrête, ben déçu, il commence à aller vers la chatière. Pareil, ben passe du coup le truc. Et ben donc, il y a bien de l'eau partout, hein, partout d'ailleurs. Hein. J'ai passé juste à côté des deux histoires, voilà. Vous voyez bien que mon foulage est bien mouillé. Juste pour les énerver. Reste loin. Mais vous êtes trop près de moi. C'est vous qui êtes trop près de moi. Moi, dans le principe, pareil, je vais rentrer en fait. Une fois que j'ai passé la chatière, je vais secouer mes pattes pour enlever l'eau que j'ai pu avoir à cause du gazon trempé. Et je vais m'orienter plutôt vers ce fauteuil-ci, sur lequel je vais d'abord planter mes griffes, ramollir un peu les coussins, avant de m'asseoir et de regarder mes camarades. Bien. Vous relâchez la frustration, en fait. Donc vous entendez des sur les coussins. On voit des petits chemins boueux de pattes de chat qui sont partout. Bon, à l'entrée, c'est plutôt une sorte de vasque, de vaste petite étendue d'eau mélangée à de la boue, bien évidemment. Et vous rendez compte effectivement que bah, pour l'instant, il n'y a personne, il n'y a pas d'humain. Mais que de là où vous êtes, vous voyez bien qu'il y a effectivement un grand couloir qui s'en va vers le bout. Et qui semble donner sur d'autres pièces à l'intérieur de la maison. Et je pense que c'est Sinsé qui voit mieux. Sinsé, toi tu vois directement un peu plus sur la cuisine. Effectivement. Est-ce que je peux vous demander à tous de me faire un jet d'odorat, s'il vous plaît? Bien sûr. C'est toujours 2 et 10, c'est ça? Tout à fait. Alors que pour l'instant, cette fois-ci, si tu fais un 1 ou un 10, tu pourras sûrement relancer un dé. Ouh, moi j'ai fait 2 10. Oh, et bah du coup, tu me relances 2 dés pour voir si tu fais un critique. Si de nouveau tu as un 10 dans l'un des deux, non. Aucun critique, mais c'est pas grave, du coup tu as un 10 et c'est déjà un bon. Tu gardes toujours le 10 du premier round et tu vas ajouter à ça ton score d'odorat dans les compétences. Donc odorat se trouve dans la deuxième colonne. Odorat, ouais. Donc 10. Et là on ajoute base plus rang, c'est ça? Exactement. Et toi tu as combien en base, combien en rang? J'ai 4 en base et 2 en rang. Donc en tout ça va faire 16. Tout à fait. Ce qui est un très bon jet. Moi je fais la moitié puisque j'ai fait 2-2 sur mes dés. Moi j'ai et fait du coup, 8. C'est pareil, base et rang, j'ai pareil, j'ai 4 et 2, donc ça fait 8 au total. 8, donc c'est non, toi c'est mort, tu ne comprends rien. Moi j'ai fait un. Alors mon meilleur 2D c'est le 3, et 3 et 2, donc ça me fait 8, donc je suis un peu à l'ouest. Et moi mon meilleur dé c'est 8, et j'ai 5 en odorat, donc 13. Très bien. Eh bien, tous ceux qui ont fait 13 et plus sentent une odeur venant de la cuisine. Une odeur plutôt juteuse, plutôt sympathique. Pour l'instant, vous pouvez encore vous parler puisque vous voyez. Mais vous sentez une odeur de poulet. Oh. Oh. Mmh. Ça me dit bien ça. Une odeur de poulet qui semble être dans un four qui est légèrement entrouvert. On dirait que quelqu'un a arrêté la cuisson du poulet qui n'est pas totalement cuit à point, mais il est bien rosé, pour peut-être reprendre la cuisson plus tard. Écoute, happé par cette odeur alléchante, je me déplace. Et l'accent donc russe devient un accent du sud. Ouais, c'est ça. Quand même... donc, c'est ça. Appelé par l'odeur appétissante. Ouais.
Non, je me déplace pour observer d'un peu plus près quel plat attire et me fait baver comme ça. Et je constate une belle dorure, un travail de chef. Du coup, j'en profite pour prendre sa place sur le fauteuil et bien le tremper. La garce. Il va à la chasse à sa place. Donc, là. Moi, je m'en fous, j'ai le poulet. J'en fous, j'ai le fauteuil. Je me permets, du coup, moi aussi, je vais aller vers l'odeur en me frottant genre sur ce fauteuil-là, celui-ci. Peu la table, enfin, je prends mon temps quoi, je me frotte, je me frotte, c'est chez moi maintenant. Mais je reste un peu tranquille, je cours pas dessus comme lui. Ah, donc tu fais du tapinage artistique en beauté quoi. C'est ça. Tu te frottes partout, tu mets ton odeur pour dire c'est mon territoire maintenant. C'est ça, avec grâce. Avec grâce et poils un peu mouillés, légèrement. Très bien, donc tu rejoins ton congénère dans la cuisine, ce four est entrouvert. A priori, un petit moment qu'il laisse refroidir le poulet, donc ça devrait pas être trop chaud si vous arriviez à extirper le morceau de poulet de cette boîte en métal. Il y a moyen. Je suis sûr, il y a moyen. À cœur vaillant, rien d'impossible. C'est ça. Je regarde si j'ai pas une carac hein, qui pourrait m'aider. Moi, du temps, je saute. Tu me dis comment tu le fais, y a pas de soucis. Hein. C'est pas très dur. Bah écoute, après, je t'aurais bien dit, j'ai utilisé un objet humain, donc je t'aurais dit, je prends ma petite manique. Non, ça marche pas ça. si le four est entrouvert, je pense que un petit accrochage du truc permet d'ouvrir la porte hein, pour pouvoir, si c'est pas trop chaud, hein, on pose le coussinet d'abord et puis on regarde. Et puis je pense que la fête peut commencer. Tout à fait. Bien, très bien. Tu ouvres la porte, une grande bouffée d'air chaud qui arrive, les narines. T'as les vibrisses qui commencent à s'émoustiller. Ça sent le bon poulet. Et ceux qui n'avaient pas, compris peut-être qu'il y avait de la nourriture un peu plus saignante que quelques croquettes ou une pâtée, décident de peut-être rejoindre leur congénère à suite de cette nouvelle information, sensitive, plus. Non, moi je les regarde simplement vilement et facilement distrait. Très bien. Alors. Moi je saute du fauteuil où je suis pour aller pour atterrir sur le canapé juste à côté. D'accord. D'ailleurs où je me frotte au coussin tout le long. Et je me pose assis sur l'accoudoir et je les regarde. D'accord. Est-ce que tu peux me faire un jet de vibris s'il te plaît Reboot ou Mirou, est-ce que tu t'es approché un peu plus du poulet ou tu es toujours au même endroit? Vu qu'il a ouvert la porte, je peux peut-être arriver nonchalamment un petit peu, quoi, voir comment ça se passe, on va dire. J'ai le droit de lui feuler à la gueule. Tiens, pour l'instant, tu t'es pas encore faillité avec le chef d'équipe, donc tout va bien. Ah, on a un chef en fait. Hein. Je ne le reconnais pas comme chef hein, perso, mais. Je veux dire, pour moi, le chef, c'est celui qui a la bouffe. Hein. C'est Sinsei qui a décidé de prendre ton siège où t'avais mis tes phéromones, gentiment, et qui est en train de tout dégueulasser. Genre, un chef qui aime nous, quoi, quand même. T'inquiète, je prends des forces et j'arrive. Voilà. Tu as fait combien, chouchou? Du coup, moi j'ai fait un 2 et un 1, donc je garde le 2. Vibris, j'ai 3, donc ça fait un total de 8, c'est ça? Ouais. Allez, pour ta défense, c'est assez facile comme difficulté, donc tu le vois. Tu vois une espèce de grand truc un petit peu assez petit, on va dire. Ça fait 10-15 cm de long, ça a 4 pattes, une grande tête, et ça
se dirige dans le couloir, et ça commence à apparemment courir par terre, mais après ça se place sur le mur et ça commence à grimper au niveau du mur sans forcément aller trop haut pour l'instant. What? En voyant ça, ouais, j'ai mes yeux qui deviennent grands et ronds, bien intrigués, et je me penche en avant, prêt à bondir, en remuant un peu les pattes, en mode je saute tout doucement en fait, et j'avance lentement vers le couloir en essayant de repérer exactement de quelle peut être cette créature qui fait ce bruit dans ce couloir. Ouais. Elle fait pas tant de bruit que ça, si ce n'est qu'elle a quelques griffes et qu'elle a tendance effectivement à courir. Elle te voit, elle se met à courir un petit peu plus vite. D'accord. Et du coup, moi voyant courir, je la prends en chasse. Mais à courir, cette truc là. Tu peux faire un jet de chasse, s'il te plaît. Un jet de chasse. Voilà. On va passer à nos deux amis qui sont en train de se fêler et de se bagarrer autour d'un poulet. Oh non, je vais le retourner, tu vas voir. T'inquiète. Hey, Miro. Vas-y, viens là, Miro, tu vas voir. Il est trop grand pour toi, ce poulet. Un 6 et un 2. Donc je garde le 6. Et en chasse, j'ai 4 de base et rang 2. Ça te fait 12, nickel. Ok. Je vais t'expliquer ce que c'est. Sensei, entre temps, est-ce que tu es parti ou pas? Vu que je vois que Shikamaru, commence à perdre son couloir, je le suis parce que je me dis qu'il a l'air quand même plus intelligent que les deux autres, il n'y a pas au poulet. Voilà, donc je le suis un petit peu, mais plus doucement. Je vois qu'apparemment, il prend en chasse un animal fortement bizarre qui s'amuse à se balader un peu partout. Hein, d'accord. Oh, c'est un gecko. T'es un lézard. Les geckos, c'est mieux, c'est plus cool. Arrêtez, vous êtes en état de chastation. Tu réussis à attraper ce petit monstre vert. Sauf qu'en l'attrapant, tout d'un coup, il semble s'agiter de plus en plus. Et il ne te reste plus que malheureusement la queue entre les dents. Il bouge, je suppose, du coup. Tu veux un cure-dent? Tu vois, tu disais on mange du poulet, mais toi tu manges du lézard. Vous ne voyez pas, vous êtes dans la cuisine. Il y a un mur ici, entre vous. Oui. Qu'est-ce qu'on sait qui a le droit de suivre chez lui? Moi, je ne manque pas, c'est bon, le lézard. Hein. Ok, du coup, s'il me reste que la queue, j'essaye de voir exactement du coup où se trouve le malotru pour retenter une chasse. Ok, il est parti à gauche, juste ici, et il est en train de passer sous une porte ici. Une porte où il y a apparemment derrière, si tu entends un tout petit peu. Tu me dirais qu'il y a quelque chose qui coule et un autre bruit qui fait. Ouais, je vais me rapprocher moi ici du coup pour voir où il se trouve exactement. Il est parti, je suis de loin. Les autres portes sont. Enfin, toutes les portes sont fermées dans le couloir? Ouais, elles sont toutes fermées. Quand vous aurez découvert ce qu'il y a dans chaque salle, j'enlèverai, on va dire, les écrans de fumée. Les caches, d'accord. Mais je mettrai un petit point noir à chaque fois que les portes seront ouvertes. Ok. Du coup, je fonce vers la porte comme si je voulais passer les pattes dessous pour essayer d'attraper le lézard. Très bien. Tu sens un petit peu d'eau derrière la porte? Je retire mes pattes aussitôt et je fais un bond en arrière. Là, je me moque. Si t'es plus maligne, fais-le. Bah,
Au niveau du poulet, vous êtes toujours dessus? Alors, Chapas, il en est où? Et Banane, il fait quoi? T'en es où, toi? Il est sorti du four, ce poulet, là? Alors, moi, je suis en train déjà de le picorer. J'ai bien commencé à le manger, tu vois. Et je vois que mon camarade est derrière et j'ai pas envie de lui en donner. Donc, et comme j'ai bien mangé, je le regarde. Je me l'échouille les babines et je fais popo dans le plat. Et hop, je fais un petit saut comme ça par terre. Et je pars tranquillement voir les autres dans le couloir. D'accord. Ok. Gros, il a ouvert la porte, il a sorti d'une griffe le plat qui est parti. Alors le pire est que ça n'a pas explosé par terre, mais c'était pas loin. Il a commencé à gratouiller dessus et en fait il a décidé de faire son affaire dedans, quoi. C'est très poétique. Un squatter, quoi. Très bien. Oh là là. J'ai plus envie. Et je te regarde et je te dis, pourtant il était très bon. J'imagine tellement d'un coup le chat, du coup, en train de prendre un os de poulet, tu sais, de se curer entre les dents. Quelle drôle de manière! Quelle drôle de manière! Vous arrivez au moment à peu près où vous voyez vos deux camarades qui sont dans le couloir. Avec Sensei qui semble se ficher gentiment de Chouchou Marron. Et vous êtes un peu surpris, vous entendez au fond du couloir un tac, 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 tac. Et un petit bruit de mécanisme qui semble s'activer. Alors, le spécialiste des bruits, c'est Chouchou Marron. C'était quoi ça? Oui, c'est ça, j'entends ça, j'oriente mon oreille vers en direction de ce bruit et je m'en approche tout doucement. Parfait. Ce bruit vient apparemment d'un objet humain qui est collé contre le mur, en hauteur. D'accord. Du coup, quand j'arrive à ce niveau-là, je le regarde et... Tu miaules? Bah, pourquoi pas. D'accord. Bref. Malheureusement, l'objet commence à faire coucou, coucou, coucou. Et à peu près une dizaine de fois, l'objet se met à faire coucou. Tu entends du coup, juste dans la pièce à côté, Quand j'entends ça, je m'écrase au sol, surpris, je me mets dans une posture un peu... Un peu de furtivité. Ouais, un peu paniqué en fait. Je m'attendais pas à entendre un bruit bizarre. Comment réagissent tes congénères? Pareil, je pense, je vais me crisper aussi, regarder dans la direction là-bas. C'est quoi ce bordel? Ça m'a surpris par effet que je vais courir là jusqu'à la porte où il y avait le lézard. D'accord, ok. Donc tu entends pareil les mêmes bruits que j'ai décrits tout à l'heure avec le truc qui ruisselle et le gros je... Sachant que le bruit que t'as entendu dans la pièce juste à côté, Chouchou Marron, il n'y a que toi qui l'as entendu. Donc à moins d'en parler aux autres chats, je suis le seul à connaître cette information. Mmh. Du coup, je me remets tranquillement de mes émotions. Je me tourne vers mes camarades et... Il y a un bruit bizarre. Venez. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu passes très bien devant. C'est gentil. Mais ça me répond pas à ce que c'est comme bruit. Du coup, je m'approche de toi, perso. Pareil, on s'approche petit à petit. Vous entendez le bruit, on dirait un truc qui semble grommeler, et puis on se donne un... De
quel côté? Une reprise, bien évidemment. Je ne vais pas imiter un signesque trop longtemps. Nous, on a un moyen quand même de pouvoir traverser. Quoi, à moins qu'il y ait quelqu'un qui soit passe muraille, mais on a un moyen de traverser les portes ou d'ouvrir les portes en tant oui, que chat. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Toutes les poignées ont des. Toutes les portes ont des poignées rondes, je vais y arriver. Ce qui fait que si vous voulez ouvrir une porte, il faut que vous fassiez du team building. C'est le principe de scénario. Il faut qu'il y ait une personne qui fasse un jet de saut et une autre qui fasse un jet de force. Ah d'accord, même si j'ai sauteur exceptionnel ou des trucs comme ça. Oh, si t'as sauteur exceptionnel, je t'évite le jet de saut. Il n'y a pas de souci. Il faut imaginer que dans le jet de saut, le chat qui saute va réussir à s'agripper avec ses deux pattes avant. Il va utiliser ses deux pattes arrière pour bloquer, pour bien se maintenir. Et en maintenant la pression des deux pattes avant, il va réussir à faire tourner la poignée de la porte. Iha. Malheureusement, aucun de vous n'a télékinésie. Par contre, certains, s'ils ont passe muraille, peuvent passer de l'autre côté de la porte pour aller voir ce qu'il y a. Effectivement. Quelle porte, Chouchou Maru ? Peut-être celle où il y a le lézard, non ? Non, celle où je suis en face. Celle où tu es en face, celle-là ? Bah, elle est ouverte. Je pense. C'est pas... Non, là où je suis, là. D'accord, bon, celle près du coucou. Je pense. Celle qui est en bas. Donc tu passes ? Je peux entendre le bruit avant ? Oui, tu as entendu le ronflement. Le ronflement. Donc, je dis, je sais pas si je vais aller. Ah, ok. Ah, oh, mais dommage, je peux pas. Et bah, tu n'as plus le choix. Non, il a le choix d'y aller ou pas. Hein. Je peux le laisser très bien comme ça. Après, c'est pas parce que vous voyez la pièce rapidement du jeu que vous savez vraiment. Oui, on va pas savoir ce qu'il y a dedans. Oui, mais si j'entends quelqu'un ronfler, j'ai pas envie d'aller là. Mais si j'écoute à cette porte-là, j'entends quelque chose ? Non. Ben j'y vais alors. esprit de contrariété. Oui, bah, j'ai pas envie d'écouter les autres. Oui. Je peux passer à travers les meubles aussi là ? La porte. Non, tu passes à travers la porte. Vraiment la porte. Si je me trompe pas, mon avis, les meubles seront peut-être un petit peu gros. Mais avec la porte, ça marche. Ok, la porte, c'est bon. Très bien. Que vois-je ? Ou bien tu vois une fenêtre, un lit double, il y a deux commodes. Et dans cette chambre, quand tu regardes, il y a pas mal de petits jouets de chats par-ci par-là, une valise assez petite, qui viendra un chaton humain, entrouverte. Et en dessous du lit, tu vois un espèce de gros tas, un petit peu avec plein de poils hirsutes, qui semble te fixer. Au-dessus, tu as dit, c'est ça ? En dessous du lit. En dessous, pardon. Okay. Oui, non, au-dessous, ce serait quand même un peu bizarre. Il est tapis dans l'ombre, comme s'il attendait. Très bien. Bah, je vais me rapprocher, pas feutré, vraiment sur le bout des patounes, en mode... c'est quoi ? Qu'est-ce que... Je me rapproche, du coup, pour voir si je peux mieux voir. D'accord. Je gonfle les poils, la queue dressée, gonflée aussi. Je gonfle. D'accord. Peux-tu me faire un jet de coussinet pour voir si tu l'impressionnes ? Jet de coussinet ? Oui. C'est un jet de coussinet, c'est un jet de caractéristiques qui correspond à peu près à ce qu'on dirait le social. Et du coup, qui te permet de faire peur, de feuiller sur les gens, d'impressionner. Très bien. 5 et 2 coussinets. Ah oui, non, mais 2 et 2, du coup 4, 9. 9. Il semble ne pas être très impressionné par ce que tu fais. Il n'a pas bougé d'un poil, mais peut-être que Hérissi a bien résisté. Très bien. Il n'y a pas de réaction. Bah, en tout cas, il n'a pas l'air d'avoir peur. Ok. Je vais faire un peu le tour. Je ne vais pas m'approcher directement, mais je vais le contourner, on va dire, en le regardant, marchant de côté, voir s'il y a une réaction, s'il me suit, s'il fait quelque chose. Comme toujours te fixer. Je vais essayer de me rapprocher petit à petit par l'arrière de lui. D'accord, donc tu fais le tour derrière, tu longes le mur et tu passes par derrière. Ouais, c'est ça. Et je sais pas jusqu'à quel point il me laissera approcher. Je pense qu'il te laissera approcher très facilement, tu tombes sur un tel.
Je vais lui mettre des petits coups de patoune du coup pour être sûr. C'est bien du linge. Au début, quand tu t'approches et que tu renifles, tu brusques comme ça un peu en arrière, mais tu finis par lui mettre trois coups de patoune et dire: ah, ça y est, j'ai fait sa race. Et tu ressors, tu as vaincu un ennemi. Très bien. Pendant que votre ami était en train d'investiguer, est-ce que certains ont peut-être décidé d'ouvrir une autre porte? Bah moi, je serais quand même tenté par celle où il y a le laser. Il y a quoi? Le laser. Le laser. Je serais ravi d'ouvrir pour vous. Comment tu veux l'ouvrir, du coup? Eh bien, puisque j'ai saut exceptionnel, j'ai que de la force à mettre, tu m'as dit. Et moi aussi, je peux sauter. Eh ben, saute, et que je rigole quand tu te seras mangé au sol. Et ben, je vais sauter, écoute. Un jet de saut et un jet de force. Toi, je te regarde avec dédain pendant que tu te prépares, là. Alors, je prépare mes appuis. Et je saute. Regardez ici. Alors 5 plus total de saut, ça fait 11. Oui, bah, c'est juste. C'est juste. Tu t'agrippes, tu galères un petit peu. La porte a l'air d'être un peu gondolée, mais ça passe. Tu fais un déclic. Tandis que notre ami Bolchevik. Moi je dis, je crois que c'est plutôt elle qui est gondolée. C'est pas la porte. D'accord, est-ce que tu as fait ton jet de force ou elle fait? Non, j'ai fait. Voilà. Alors, je peux préciser, c'est une fois que tu as un super talent qui s'appelle force. Si tu regardes la description, ça peut être utile à certains moments. Alors, par contre, j'ai pas vu où c'était marqué force. Mon ego était en. était en jeu. Oui. Alors, force est en F. Et c'est où, force, en vrai? Physique. C'est une caractéristique. C'est griffe, pardon, excuse-moi. Ah, c'est ça, griffe. Donc, 3. Excuse-moi. Et j'ai fait, donc, 5. Il n'y a plus les indications pour chaque caractéristique. J'ai fait... Putain, on va essayer de la V en 5, elle est 2. J'ai fait quoi? J'ai fait 5 et 3. 8. 5 et 6. Pourquoi 6? Ah oui, c'est doublé, c'est vrai. Bah oui, je suis bête. Donc 11. Tu es un chat, c'est différent. Très bien, vous ouvrez donc la porte et vous tombez sur une drôle de pièce qu'on appelle salle de bain. Le lézard semble être parti. La porte a été ouverte. C'est ça, hop. Là. Ça sent l'humidité ici. Et du bruit juste à côté, c'est une grande machine à laver. Et malheureusement, vous vous rendez compte assez rapidement que y a une fuite d'eau. Et un autre petit truc tout marron qui court contre la baignoire. Encore un autre truc. J'ai dû mettre des trigger warnings pour préciser qu'il y a des petites bestioles, hein, mais c'est des chats en même temps. Okay, ouais. Ça, c'est une fuite d'eau, ok. Voilà, une autre petite bestiole marron qui se balade. Le lézard, lui, il est parti, la fenêtre est légèrement entrouverte, il s'est barré. Par contre, vous trouvez effectivement tout petit, mais beaucoup plus petit que le lézard. Contre la baignoire, plus sympa, je vous explique, je vous laisse même pas mariner dans le jus. Je le regarde à peine, ce truc, tellement il est insignifiant. Je suis fasciné par l'eau et la machine à laver qui tourne, je regarde le hublot comme ça, Ton chef semble hypnotisé par l'appareil cinéaste à ta droite. Ben, je regarde Sinsei, je lui dis: vous êtes pathétique et si faible, camarade. Et je la regarde avec sa tête qui fait ça comme ça. Ok.
tout à fait. C'est lui qui se fait appâter par une cuisse de poulet. Oui, mais ça nourrit l'homme. Ou le chat, ça nourrit le chat. Oui. Vous empruntez un peu trop d'expressions cinéastiques. Très bien. Est-ce que Reboot est sorti du coup de son petit voyage en, en terre inconnue à travers la porte? Si on m'y autorise, oui. Oui, oui, bien sûr. Je l'ai passé, je dis, pendant ce temps-là, donc tu as le temps de ramener ton token. Il a fait une rencontre du troisième type. Quand tu reviens, apparemment là où le lézard était parti, il y a deux personnes. Le chef semble hypnotisé par une machine jusqu'à ce que le bourrifu bolchevique commence à lui chercher des noises. À lui voler dans les poils, carrément même. Et vous n'êtes toujours pas avancé, parce que bah, vous n'avez toujours pas trouvé ce que vous êtes venu chercher. C'est vrai. Rappelez-vous, camarades, de notre même mission. Tel Yuri Gagarin. En parlant de ça, je vais revenir dans le couloir. Mon passe-muraille, c'est... comment ça... Ça marche autant que tu veux consécutivement. Tu peux passer dans toutes les cases si tu as envie, en fait. Et s'il y a deux portes qui sont collées l'une à l'autre, est-ce qu'ils passent? Bah en fait, ça dépend de son rang, mais là, par exemple, pour les portes, il a besoin d'utiliser qu'un seul rang, puisque les... enfin, deux rangs, pardon, que les portes font moins de 10 cm, mais plus de 5. Et s'il est coincé entre deux portes, est-ce qu'on peut considérer qu'il a le talent Schrödinger? Non, parce que Schrödinger, ça permet d'avoir plusieurs, plusieurs chats dans la partie. Oui, oui. Il ne pourrait pas rester coincé entre deux portes, parce qu'en fait, il y a une équation physique qui fait qu'il est forcément inspiré par là, où il peut être contenu entièrement. Ok. Bah, je vais passer dans... au-dessus, là. Tu passes, il n'y a rien. Il n'y a aucun ennemi sous le lit. À la grande surprise, bien évidemment, de tout le monde. Mais par contre, sur le lit, il y a un espèce de grand... d'une grande boîte noire, enfin métallique en tout cas, qui se trouve sur le dessus d'une commode. Et c'est pas évident, généralement, quand les gens ont ce genre de, d'outils, c'est qu'ils cherchent plutôt à protéger quelque chose de précieux. Pour vous, vous protégeriez peut-être un morceau de poulet ou un chouchou que vous aimez bien, que vous traînez partout ou autre. Mais là, c'est pour des choses peut-être plus factices pour les simiesques. Mmh. Je vais monter sur le meuble alors. Me rapprocher. Voilà. Est-ce que tu veux essayer de déterminer ce que c'est comme objet? Relativement, oui, quand même. Ouais. Fais-moi un test de culture générale, s'il te plaît. Toujours marrant. Moi, du coup, j'aimerais bien essayer d'ouvrir, du coup, la porte dans laquelle je suis. Celle-ci. Le problème, c'est que t'es tout seul. Ah, et oui. Donc, tu n'as pas de... Contrôle gravitationnel fera pas grand-chose. Non. Enfin, en fait, ça te permet de sauter très très haut, mais par contre, ça te permet pas d'ouvrir directement la porte. Non, bah... Sauf si éventuellement, si tu me fais un... Ouais, non. J'ai du mal à le planifier. Il faut que tu demandes de l'aide à tes camarades. Je reviens vers ici, et puis je regarde en direction de la salle de bain. L'un de vous pourrait-il venir m'aider pour ouvrir une autre porte? Oui, bah t'inquiète, je vais venir parce que l'autre reste la tête devant le truc là. Non, mais moi aussi je viens. Je réagis quand on me demande mon aide. Qui fait le jet de saut et qui fait le jet de force? Enfin, le jet de saut, on a Chouchou Maru qui est plutôt bon. Du coup, avec quoi? Avec contrôle gravitationnel. Cette fois, je veux bien consentir à pousser la porte. Cette fois. Je rappelle que le contrôle gravitationnel te permet de faire des sauts ou des bonds de 5 fois rang mètre. Voilà. C'est plutôt pratique, ça t'évite de jeter ton dé, mais ça te fait claquer un minute. Ouais, bah on va faire ça quand même. Ce sera... Au moins, ça fait utiliser un talent.
tout à fait. Donc, Reboot, ton jet de culture générale, t'es à combien? 11 du coup. Très bien. Tu détermines assez facilement ce que c'est, parce que ton simiesque a tendance à en avoir un. Ton simiesque est plutôt assez riche. C'est-à-dire, ça se voit hein, quand même pour avoir un chat de race comme toi. Tu comprends assez vite que c'est une plus qu'une boîte. C'est une boîte qu'il faut généralement défoncer assez vite avec les griffes et qui est un peu compliquée à ouvrir. Un coffre-fort. Ah. C'est de quelle taille? Oh, c'est une taille d'à peu près. Au gros, ouais, pour 40, toi. 40, entre 40 et 50 cm à peu près de haut. Ouais, un peu trop dur à pousser, quoi. Ouais, ce sera trop lourd, surtout à pousser. Par contre, ouais. Si tu avais quelqu'un qui avait des belles griffes, peut-être que ça serait pratique d'ouvrir, par exemple, ne serait-ce qu'un côté, en fait. Ok. Ça sera pas moi. Très bien. Au niveau de notre force pour pincer. Ah oui, alors attends, parce que j'ai lancé un 10, donc il faut que je relance. Ouais, j'utilise aussi la force en même temps. T'as pas besoin de relancer les 10, du coup. Ah, d'accord. Bon, bah alors ça fait. Sans relancer, ben. Ça fait 19. Avec la force. C'est la première fois que quelqu'un me fait un jeu de carac, mais direct à 19. Eh bien, on va voir beaucoup de choses qui vont se passer. La première chose, c'est que tu remarques assez rapidement que la fenêtre est entrouverte. Et. On aurait pu faire le tour. Maru qui est bien appuyé sur la porte, tu pars avec la porte. La porte s'en va et tu as juste le temps peut-être de sauter avant qu'elle défonce la fenêtre. D'accord. Oui. Voilà. Ça, c'est la première partie. Je vais t'expliquer ce qui passe après. Tu arrives à sauter, tu arrives à sauter en plein milieu. Tu atterris en plein milieu d'un champ. Je vais faire un petit dessin et puis je suis bloqué. Voilà. Et en fait, quand tu t'amuses, tu vois que par terre, il y a donc un vélo elliptique, un ordinateur que tu vois sur le fond. Mais là où tu te trouves, où je viens de faire un tout petit dessin, il y a plein de formes un petit peu ovales. Qui sont plutôt petits par rapport à toi, tu vois quand même au-dessus, mais ça fait à peu près entre 18 et 20 cm de haut. Il y a un petit bout de queue et il se balade de droite à gauche comme ça, mais en fait, avec tout mouvement que vous avez fait, il y en a certains qui sont même en l'air et ils sont nombreux, ils sont même légion. Ils semblent vous mépriser même, et ça a l'air dangereux. Et toi, t'as atterri en plein milieu et il y en a certains qui te collent au poil. Moi, je suis à la porte, je dis camarade, ça pue. Ça sent la litière pas fraîche. Voilà. Donc, Chouchou Marron ne peut pas voir. Par contre, vous deux qui êtes à la porte, vous pouvez me faire un jet de vibris pour voir si vous remarquez quelque chose. Pendant que votre camarade est carrément. Attaqué par toutes ces formes ovales. Mais lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Mais non! J'ai fait un double 1! Bon. Et Reboot, du coup, tu restes là où tu es ou tu ressors? Je fais 9. En entendant le vacarme de la porte. Oui, je vais ressortir du coup. Pour aussi faire un jet de vibris. Ouais. Je suis à 15. Moi aussi? Okay. 9. Pas mieux. Oh, Bolivic, il est pas très... Ok. Vous remarquez que juste au fond, il y a un petit point rouge collé au mur qui s'amuse à clignoter. Quoi? Un petit point rouge. Je vais mettre un petit point. Je ne dis pas exactement ce que c'est. Je dis que vous avez remarqué qu'il y a quelque chose qui clignote en rouge. Juste au-dessus de l'ordinateur, sur le mur. Je regarde. Reboot, quand tu arrives, tu vois ton camarade qui est en train de se faire attaquer par des formes ovales avec des petits bouts de queue. Et ils sont nombreux, ils sont légion, ils semblent hostiles. Des rats? Ça y est, ils viennent de comprendre que je suis dans la merde. Qu'est-ce que vous faites? Bah moi, je peux rien faire. Moi je mets des coups de patte, moi j'essaye de trouver.
Ok, moi je propose qu'on fasse comment? J'essaye de taper sur ce qui vient, puisque je me fais assaillir, donc j'essaye de me défendre autant que je peux, en fait. D'accord. En tous les sens, sans... La question, c'est avec ou sans les griffes? Ah, avec. D'accord. Les autres, comment vous réagissez? Ah bah moi, je vois qu'il se fait attaquer, donc je rentre dans la mêlée pour l'aider, hein. Très bien. Et pareil, tu fais un combat griffu? Ah bah oui. Voilà. Vous pouvez lancer les dés si vous voulez, mais c'est pas facile. Est-ce que même si j'ai un vibrisse de merde, je peux quand même agir ou pas? Oui, bien sûr. Est-ce que je pourrais pas... T'as juste pas capté le point rouge, mais le reste, tout ça, tu l'as vu. D'accord. Est-ce que je pourrais pas tenter un arrêt temporel pour que mes camarades en profitent pour défoncer les trucs? Non, tu peux pas, parce que l'arrêt temporel ne s'applique que à toi. En fait, l'arrêt temporel, c'est pas vraiment le temps s'arrête. C'est les... Le temps semble s'arrêter, en fait, ça veut juste dire que tu vas deux fois plus vite que les autres et tu peux faire deux actions en une. D'accord. Et un poltergeist, je peux pas toucher tout le monde en même temps? Non, tu peux pas toucher tout le monde en même temps, le poltergeist n'a qu'une seule cible à la fois. C'est dégueulasse, toucher tout le monde en même temps. Ouais, je sais, je suis comme ça. J'avais tout calme, hein. Jusque-là. Bon, je vais tenter la mêlée aussi, c'est tout, voilà. Très bien, donc tu files aussi dans la mêlée. Il nous reste Reboot pour voir. Moi, je vais m'asseoir à l'entrée et regarder qu'est-ce que c'est que ces trucs. Très bien. Vous savez ce qui se passe? Non. Vous savez pas ce qui se passe? Mais vous allez comprendre. Tout d'un coup, vous entendez de tous les côtés où vous touchez les grandes formes. Ah, il n'y a pas que moi qui touche. Oh, ok. Oh, 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 oh. Quoi? Il y a des corbeaux dans le truc. J'ai rien compris. Est-ce qu'il y avait une alarme? Mais que s'est passé, mais que ça se passe? Ah, Nathalie. Oh merde, Freddy. Pourquoi t'as dit une queue? Là où il y a le nœud. Ouais. Là où il y a le nœud, c'est une sorte de petite queue, mais en fait, elle était juste qu'elle ne bougeait pas. Elle a jamais dit une queue super longue, genre une queue de rat ou quoi que ce soit. Elle a juste dit un truc ovale avec une queue, avec une petite queue. Mais qui est-ce qui met des ballons dans un bureau, quoi? Sérieux. Qu'est-ce que ça fout, là? C'est ça. Bah, moi qui suis allé avec les griffes. C'est ça, ça. Ouais. Bah, 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 bah. Ah bah là, ouais, là. Là, on vient de faire une ambiance. Un avantage, c'est que il y a plus beaucoup de ballons qui subsistent. Il y a beaucoup de corps de ballons, en tout cas par terre. La fenêtre est complètement défoncée au niveau de la porte. J'ai oublié de le dire, enfin de le noter. Hop. Et littéralement, vous êtes tranquille. Vous avez à peu près le champ libre pour aller au niveau de l'ordinateur, sachant qu'il y a toujours le petit truc qui clignote en hauteur. Mais ça risque d'avoir fait du bruit, quoi. Léger. Léger. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Moi, je sais pas qui est-ce qui pionce dans la piole d'à côté, mais il a sommeil lourd. Bah, c'est pas parce que vous l'avez entendu en étant à côté de la porte que vous l'entendez dans la salle où vous êtes. Oui. Ça se trouve, il est sorti. Ok. Est-ce qu'il faut se diriger vers cet ordi ou on est vraiment dans le caca là? Bah, c'est à vous de voir. Moi je me dirige vers l'ordi. Hein. Ouais, mais c'est quand même tentant. Là, hein. Je monte sur le siège. Enfin, c'est moi qui le prends en premier. D'accord. D'accord. Je monte sur le clavier. Vas-y. C'est celui qui aura la vibrisse la plus longue, c'est ça? Faites-vous de cet ordinateur. Hein? Eh bien, moi, je peux intervenir là. Parce que j'ai brouilleur électronique, est-ce que ça... Je pourrais pas faire sauter l'ordi.
Bah, en fait, le brouillard électronique, ça empêche l'ordinateur de marcher dans un périmètre autour de toi. Mais par contre, le jour où tu quittes la salle et qu'il n'est plus dans ton périmètre, il remarche. Eh bien, je reste caché sous le bureau. Tu fais un campement, ok. On a Bolchevik sous le bureau. Sinsé, tu es sur le fauteuil et les autres. Alors du coup, moi je me suis retrouvé en rentrant, mais j'ai pas pu voir justement ce que c'était ce point rouge. Je peux essayer de le repérer ou pas? Oui. Du coup, c'est quoi comme test? Vibris. C'est ton de Vibris, c'est ton intuition. Allez. Alors. En Vibris, j'ai 3. Et mes dés, 2d10. Hop. 6 et 6. Ouais, bon, bah, 6. Du coup, Vibris x 2, donc ça fait 6. Plus 6, 12. Très bien. Pas de soucis. Quoique, oui, non, c'est bon, je crois que le seul qui avait pas compris avait fait 8. Non, 12, c'est bon. Non, c'est moi qui ai rien compris encore. Ouais, non, mais je me souvenais plus du résultat que t'avais fait, j'étais pas sûr. Donc, non, c'est bon. Effectivement, tu captes qu'il y a un point rouge au-dessus de la table avec l'ordinateur, hein, à peu près 1m50 au-dessus de la table, qui clignote. D'accord. Je peux faire un test pour savoir ce que ça peut être? Tu peux faire un test de culture générale. Culture générale. Alors, culture générale. J'ai 4 en base et j'ai pas de rang. Donc tu n'en rajouteras que 4. Ok. Hop. 4 à 8, ça fait 12. Très bien. Eh bien, c'est pas très compliqué, c'est une caméra. J'en étais sûr. Camarade, capitalisme, Big Brother. Maintenant, toi, pouvoir expliquer toi, que ça capte des images. Oui. Faites attention. Rappeler que vous avez déjà défoncé la porte. Défoncé, oui, voilà. Les ballons, et la porte a défoncé la fenêtre, elle est partie dehors. Mmh. Voilà. Et que tout ça, c'est la faute de Sinsé. Ah. Sinsé qui actuellement est sur le fauteuil devant l'ordinateur, comme tout un chacun, comme tout chat devrait pouvoir le faire. Alors, faites attention. Il faudrait peut-être faire attention que la chose avec le bip rouge qui clignote au mur au-dessus de l'ordinateur, enregistre tout ce que nous faisons. Nous risquons de compromettre ce pourquoi nous sommes venus. Moi, je me roule toujours sous le bureau. Il n'a rien à mettre. Détruisez-la, non ? Bah moi, comme tout chat qui se respecte, je me retourne et je lui monte bien en derrière à la caméra. En effet. On voit un chat qui retourne son derrière. Est-ce que les deux qui sont encore dans la salle tentent quelque chose? Parce que là, pour l'instant, l'ordinateur ne marche pas. Tu as combien en rang, Bolchevik? En rang de quoi? En rang d'oignon, en rang de... De brouilleur électronique. Alors, en brouilleur électronique... Bah, il n'y a pas d'or... Ah, c'est 4, je crois... Non, 3. 3. Ce qui fait que si tu décides, comme tu as pu le voir, ton talent, toi, te permet, en fait, dans le périmètre où tu es, de cibler plusieurs appareils électroniques, un par an. Donc, par exemple, tu peux brouiller jusqu'à 3 appareils pour éviter qu'ils enregistrent. Donc je pourrais éventuellement brouiller Caméra, Big Brother. Tout à fait. Donc ça se passe comment? C'est aussi des 10?
tu me dis juste que tu utilises ton brouillard électronique. Tu l'as déjà utilisé pour l'ordinateur, mais là, tu peux l'augmenter au rang 2 pour dire, bah, j'empêche la caméra de record. Eh ben, rang 2. Donc, hop, on passe. Après, je sais pas si tu préviens tes petits camarades. Alors, comment que je pourrais amener ça? Je sors de par-dessus le dessous du bureau. Je me mets à côté de Sinsé, mais légèrement au-dessus d'elle, tu vois, sur le bureau, donc un peu au-dessus d'elle pour montrer que je suis grand. Je regarde le caméra avec le point rouge. Je me fais les commissures d'élèves dessus. Je tourne, je vire. Je monte mon petit trou des fesses et poup! Je la mets à out. C'est bien. Donc, vous vous rendez compte finalement que le clignotement s'arrête. Pareil, l'ordinateur qui semblait marcher continue toujours de ne pas marcher. Qu'est-ce que vous faites? Sachant que, Reboot, tu entends du bruit dans le salon. Juste avant, j'aimerais du coup leur parler. J'ai trouvé un coffre-fort dans la chambre juste en face. Je sais pas si l'un de vous saurait l'ouvrir ou non. Il est un peu trop lourd pour l'emmener ou quoi que ce soit. Et j'aimerais bien regarder du coup pour passer une petite tête de fouine par la porte. Est-ce que c'est un coffre mécanique ou électronique? C'est un coffre fort. Voilà, c'est parce que tu auras de moi. Et je peux voir quelque chose arriver ou pas? Tu vois pas forcément quelque chose arriver, mais tu entends des sortes de mini bruit un peu crissant, comme s'il y avait des griffes sur le parquet dans le salon. Griffes qui glissent ou juste qui marchent? Non, ouais. Okay. Ce sera un peu compliqué à expliquer. Il y a quelque chose dans le salon. Ouais, il y a des bruits de griffes. Je dis ça à mes camarades, bien évidemment. Et ils me voient regarder vraiment par là-bas, quoi. Donc je pense qu'ils ils vont comprendre. Si tu vois de là où tu es. Ouais, tu peux voir. Ah. Hop là. Tu vois effectivement des formes. T'en vois une, surtout, qui est ici. Hop là. Ça va pas. En rose, comme ça en rose, voilà. Pour les formes. Ça n'est pas absolument pas un animal rose, pas si c'est ok. Ni une autre chose. Et il y en a plusieurs dans le salon. Ce que tu vois, toi, c'est un être qui vient de te repérer et qui est sur ses deux pattes arrière. Il monte, il a des grands bras et des grandes griffes, des bras un petit peu flasques et bien évidemment velus. Il a des grandes dents, un museau. Des billes noires à la place des yeux, des grandes oreilles avec des petites pointes touffues et une grande queue touffue qui dépasse sa tête alors qu'il est sur ses deux pattes arrière. Le petit chaperon rouge. Regarde. Ça te fixe et ça essaie de t'impressionner. Celui qui est juste là, celui-là, je vais le mettre en vert d'ailleurs, celui qui est en vert, t'as vu et il essaie de t'impressionner comme s'il voulait te faire peur. En se jaugeant et en essayant de se faire plus grand qu'il n'est. Parce qu'il fait quand même peut-être 18 cm de haut quand il te regarde, mais n'empêche, toi tu fais déjà 18 cm de haut au garon, quoi. Oui, je m'attendais pas à le trouver là, quoi que ce soit. C'est à mon bon vouloir ou c'est... Comme tu veux. Tu fais ce que tu veux, tu décides de faire ce que tu veux, tu m'indiques l'action que tu fais, sachant que tu as parlé à tes congénères et que tu n'as... Je te donne cette information parce que tu la vois. Maintenant, à toi de voir si tu en parles, si tu vas sur le coffre-fort ou autre chose. Parce que sachant que vous avez trouvé l'ordinateur,
J'ai toujours pas trouvé des disques durs et vous avez un autre problème dans le salon. Bah moi j'aimerais du coup, si c'est possible, genre aller traverser le couloir et l'enlever. Et juste passer une tête pour me rapprocher un peu, mais en essayant vraiment d'être un peu discret, quoi. Et toujours aussi curieux de ce que c'est. Très bien, bah, tu vois que ça essaie toujours de t'impressionner. Tu n'as prévenu personne, du coup, on est d'accord. T'étais juste, t'as vu, dit, est-ce qu'il y a un coffre-fort dans la salle à côté, quelqu'un peut le défoncer, et tu t'es barré à un moment. Après, j'ai dit, il y a des bruits de griffes, et je suis parti. J'avais dit, il y a des bruits de griffes, quand même. Ok. Mais c'est tout. D'accord, on va pouvoir descendre. Mais le disque dur, on l'avait pas trouvé à côté de l'ordi ? Non. Ça va, ici à moi ? Non, mais il explique très bien, c'est bien. On l'a pas trouvé à côté de l'ordi ou on n'a pas cherché ? Vous avez trouvé la tour d'ordinateur. Vous êtes censé aussi, apparemment, dont vous êtes censé vous débarrasser. Est-ce qu'un petit pipi pourrait aider à la destruction de l'appareil étrange électroniquement parlant ? C'est quand la dernière fois que t'es allé à la litière ? J'ai fait que popo dans le poulet. Tu peux tenter, après avoir comment tu... Est-ce que j'ai un arc électrique qui va me brûler les poils ? Je crois que ça peut me faire rire 1000 ans si ton chien s'électro... si ton chat s'électrocute en pissant sur ordinateur. Est-ce qu'on a 9 vies ? Bah, tu vas bientôt le savoir si tu testes. Alors, est-ce qu'on a des jets de pipi ? Je me pose la question. Hein. Est-ce que le pipi est effectif ? Nous le saurons bientôt. D'accord. Je fais un jet de quoi pour le piller pour. Comment t'as pas besoin de faire un... Ou aussi tu pourrais faire un jet de poil, tiens. Un jet de poil, un jet de vigueur pour voir à quel point tu as emmagasiné. Oh. Oh. Wow. Attention, les critiques ne marchent pas, hein, c'est du poil. 14. Oh. Étonnamment, Bushkevi, qui est un chat qui a l'air de tout poil, bien léché, fier et tout... Comment non. Ça se soulager gentiment sur la tour d'ordinateur qui désigne, effectivement. Mais c'est pas... Vous savez, un chat, c'est normalement un chat, c'est voilà, un bon pipi, bon, pendant les, à peu près une minute, on l'entend. Là, Bolshevik, c'est un pipi de 2 minutes. Oh la vache. 2 minutes avec elle, quand même. Et ça commence à dégouliner sur la table, et il y a quelques petits arcs électriques qui sont, enfin des petits grésillements, mais rien qui... Oui, ça picote, ça fait du bien. Rien qui te picote vraiment. Bonjour maître. Bonjour maître. Moi par contre, quand ça commence à dégouliner, je me tire hein, quand même. J'aime l'eau, mais pas celle-là. Alors, on reste pas ciné. Je ne sais pas. Pareil, je te montre mon derrière. Nickel. Donc, est-ce que la tour est HS ? Eh bien, la tour est HS. La tour, quand tu arrêtes ton brouillard, si tu arrêtes ton brouillard électronique, ne marchera pas, tout simplement. Du coup, vous filez de la scène ? Oui. La scène du crime. Très bien. Reboot, pendant ce temps-là, toi, le truc qui essaye de te voir, il y en a un deuxième qui t'a capté, qui vient aussi ici, mettre en vert ceux qui t'ont capté. Et il y en a un, il saute à côté de toi, il semble très fier et tout, il commence à te jauger et tout, il fait un bruit que je ne saurais pas reproduire malheureusement. Il n'a pas choisi le. Si tu fais le rat, par exemple, c'est pas ça encore. Non, mais je saurais pas te faire le bruit. Littéralement, je crois que c'est pas reproductible. Autant je sais bêler, je sais faire la poule, le pigeon, tout ce que tu veux, mais celui-là, c'est très compliqué. Problème, le petit truc qui saute,
se retrouve sur une espèce de masse grise qui commence, en fait, il appuie apparemment sur un petit espace de cette masse grise et commence tout simplement à s'activer. Et tu vois la masse grise emporter ce petit être sur le... Il glisse, descend. Tu donnes des ordres au maître, bravo. Comment emporter directement les différents petits êtres qui te regardaient. Hop, voilà. Et qui se barre en fait par là. Il est monté sur un aspirateur et automatique ça commence ou quoi à faire... Ok. Moi, quand j'entends l'aspirateur, je me fiche, je me plante les griffes dans le sol. Le parquet prend cher. Au mur, hein. Voilà. Au mur. Hein. Et du coup, ça reste triptyque-moi ce truc-là quand c'est pas sur cette arrière. Il est toujours sur dessus. Hmm. Est-ce que tu as deviné ce que c'était à tout hasard? Mais je suis pas sûr en fait. J'aurais dit un écureuil peut-être ou un petit truc comme ça, quoi, mais. Ça dépend dans quel pays on est. Ah non, c'est bon, tu as bien trouvé, c'est un écureuil. C'est à la fois, pour le faire écureuil, il faut faire squishy, 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 squishy. Un écureuil qui est énervé, c'est genre juste trop dur à faire. Franchement, j'ai tenté de regarder, mais c'est trop dur. Oh là. Donc tu vois un écureuil qui danse de la samba sur un aspirateur. Se barrer. Sais-tu danser la carioca? C'est vrai que... un peu de loin. Voilà. Voilà. Vous entendez donc un bruit d'aspirateur en sortant et vous tombez pile à ce moment-là où l'aspirateur a démarré et votre congénère est figé. On me regardait un combat d'ailleurs. L'écureuil tombe, hein, soyons honnêtes, prend la table. Pardon, c'est quelqu'un dans le chat qui me fait la phrase improbable, c'est « J'ai fait que popo dans le poulet. » Génial. Je suis au courant qu'il y a une organisation d'écureuils espions, un truc comme ça, ou c'est du hasard Non, pas vraiment de hasard, tu te rends compte que l'écureuil qui est au niveau de la table, il est en train de piocher dans une grande corbeille des petits bouts marrons qui semblent apparemment être très intéressants. Il semble déjà en avoir plusieurs à en avoir mangé et en avoir mis un peu partout autour. Par terre. Ok. Alors, du coup, pendant qu'il s'éloignait sur son aspirateur, j'aurais été un peu. Je me serais allongé en mode chasse un peu avec le wiggle wiggle, enfin le cucu qui. qui me fait en mode est-ce que j'y vais ou pas. Et au moment où il tombe, ça perd un peu de son intérêt, du coup. Je me dis que c'est juste des écureuils à la con. Et que je vais les laisser bouffer des noisettes. Tu regardes dans le noir des yeux. Il te regarde, il se met, il essaie de défendre son pote qui est un peu complètement tourneboulé. Et lui, il te jauge et il essaie de t'impressionner directement. Okay. Moi, je vais juste m'asseoir et la regarder, en fait. Un peu dubitatif, je dirais. Nos trois compères qui ont gentiment assassiné une tour... Voilà. Une tour d'ordinateur. Quand tu quittes la salle, la caméra se remet en marche. Je suis la seule à être filmée en plus. À la caméra, chose que vous n'avez pas forcément remarqué du premier point, avait apparemment un giron qui regardait plutôt dans son sens-là, tu vois. Ok. Voilà. Donc en fait, vous êtes un peu safe. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans le couloir. On n'a pas fait la petite pièce là au-dessus. T'as vraiment besoin d'aller faire cette pièce?
Il en aurait eu besoin, c'est peut-être vu que. Effectivement. C'est qu'on va finir la tour. Quoi, y a rien dans cette petite pièce. Ça, il faudrait déjà réussir à ouvrir la porte. Tout à fait. Ou avoir passe-muraille. Ou avoir un saut exceptionnel et faire que force. Non, faut être à deux. Non, lui, il peut le faire tout seul. Ah bon? Ouais. Wow, on va te l'accorder. Alors. Tu veux ouvrir la pièce? Oui, tu veux que je fasse un jet quand même? Non, allez, on va aller, c'est facile quand même, à pousser une porte. Voilà. Et bah, j'ai déjà fait. Les deux en plus. Je pense qu'il va y avoir des petites pertes, j'ai fait que popo dans le poulet directement là. Je pense qu'il voilà, il faut qu'il y en ait un qui aille remanger un peu de poulet histoire d'avoir des réserves. Fort bien, fort bien. Bon, alors vous êtes toujours coincé, vous n'avez toujours pas trouvé le disque dur. Bah, bon, il reste. Il vous reste à peu près 20-30 minutes pour remplir votre mission quoi. Ah ouais. Bah, bon, il reste une pièce quoi. Oui, mais et un coffre, et un coffre. Il reste un coffre et une pièce. Pour l'instant, la seule chose que vous savez, c'est qu'il y a une pièce dont il repartit les gouttes. Apparemment, il n'y avait rien d'intéressant. Il y en a une autre qui nous a parlé d'un coffre-fort. Mm-hmm. Et dans une autre, il y a un simiesque qui dort. Il dort toujours avec tout le bordel. Il est très fatigué. Non, ah bah là... chose que pourra remarquer Bolchevik, c'est que le simiesque ne dort plus beaucoup en fait. Est-ce que celui qui a pas ce mur, il peut rentrer dans le coffre? Je me rappelle pas. Non, parce qu'il n'y a pas assez d'espace dans le coffre pour tenir la poilitude. C'est pas une excuse. Moi, je dis qu'il y met pas du sien, c'est tout. compliqué, quoi. Donc là, vous êtes toujours dehors. Hein. Vous imaginez qu'il s'est passé à peine... 2 minutes depuis que vous avez éclaté les ballons et poussé tout bien élément tous les ordinateurs. Mmh. Bah, il reste une pièce. Hein. Ouais, moi je propose de nous occuper du coffre. Enfin... Ouais, bah je te propose voilà. D'ouvrir la porte du coup. Voilà, on m'a manqué. Je saute et chouchou ouvre. Très bien, allez. Allez. Je vais faire les jets. C'est reparti. Oh. Alors, vous êtes combien? Alors, j'ai fait 9. J'ai fait 9 sur mon dé. Et c'est un test de force, c'est ça? C'est deux fois la carac. Où est-ce que c'est la force? La griffe. Je vais y arriver. Ah, c'est la griffe. J'ai tellement l'habitude que ce soit marqué à côté de la carac sur la 1.5, j'ai du mal avec la 2. Du coup, griffe, donc 3, donc x 2, ça fait 6, plus 9, ça fait 15. Très bien, très bien. Et tu as échangé à combien en saut? Moi, j'ai fait 10. Ok, donc en saut, c'est tout à fait correct. Tu galères un petit peu, etc. Petit problème, c'est que vu le jet de Chouchou Marou, tu es un peu expulsé avec la porte qui se prend bien la commode derrière, ça fait un gros boum, etc. Mais la porte est ouverte et tu finis par atterrir sur le fessier. Bolchevik, tu entends une mamie qui... Enfin, tu entends en tout cas un simiesque parler à travers la porte, qui est bien réveillé. Mmh. Et le simiesque ouvre la porte. Je peux courir en disant « Cachez-vous, cachez-vous !» Non, oui, si, cachez-vous. Oui, tu peux courir, aller les voir, et tu peux complètement t'amuser à déraper partout. Oui. C'est pas ça parce que t'as de la pisse à la patte, hein, mais... Non, je boite en plus. Oui, c'est vrai. Ouais. J'aime tellement. Il y a une compétence qui s'appelle énerver les humains. Oui. Oh, attends, j'ai même pas vu.
Donc, elle sort. Parce qu'elle a des langages humains. Ouais. Ah, donc... là, j'ai pas mal de dents. Moi, je vais courir là-bas si je peux. Ouais. Et moi, j'essaie de la tirer dans cette chambre-là. Ah, mais non, ça, il y a la cam. On l'avait pas ouvert, je crois, celle-là. Hein. Ah bon? Ah non, il n'y a pas de point. Oui, bah, c'est avec passe-muraille. D'accord. Moi, je me réfugie sous le lit. Bah, alors, je l'emmène vers les écureuils. Moi, je me planque derrière la porte, dans l'angle, en bas du coffre. Ok. Ah oui, toi, Reboot, t'es reparti directement dans le bureau, quoi. Oui. J'ai voulu me cacher là, mais c'était peut-être d'accord, pas très mal. D'accord, la grand-mère semble crier, fait... Pour ceux qui auraient langage humain, qui auraient un rang 1 en langage humain, vous entendez... Oh, dis donc! C'est toi qui es rentré? Bon, j'ai arrêté le poulet, j'avais peur qu'il crame. J'irais bien me prendre une petite tisane, hein. Qu'est-ce que t'en penses? On se prend un petit jaja avant le déjeuner ou c'est déjà trop tôt? Elle continue, puis on voit un truc. Tiens, en arrière, elle regarde et elle voit deux portes ouvertes. Mmh. Joséphine? Tu es rentrée? Un peu inquiète. Hein. Et à ce moment-là, Mao? Qui vient d'où le Mao exactement? Chouchou Maru, c'est moi qui ai miaulé. Ici. Quand je vois pas toujours qui parle. Ouais, pas de soucis. Et du coup, fait. Oh! Piti! Vous êtes déjà rentré du vitre? Non, elle aurait quand même pas osé en prendre un troisième. Piti, mignon! Elle t'appelle d'une manière assez cinglante et assez aiguë, fait mi. Mais pas du tout ma grand-mère comme ça. Où est-ce que t'es caché? Alors, du coup, je me rapproche un petit peu et je recommence. Rentre. Sinsei, tu es en dessous du lit, on est d'accord? Oui. Ok. Tu vois pas? Oh, et du coup, pour utiliser le talent sommeil, comment ça se passe? Bah, tu me dis juste que tu utilises le talent sommeil, ça se déplace juste avec toi, t'as un rang de combien? J'ai un rang de 2. Ok, ce qui fait que tu peux endormir un simiesque ou deux simiesques dans une sphère de 5 fois rang mètre de diamètre. Pour une durée égale à rang fois 1 des 10 minutes. Alors, je vais... 14 minutes si tu utilises 2 rangs. On va faire ça. Je vais utiliser 2 rangs et comme ça, je vais l'endormir. Voilà. Quand tu te balades dans les 10 mètres, ça va. La même nuit se couche. Tu fais quoi? Tu lui mets un coup derrière la nuque? Et du coup, je me mets à côté pour finir d'assommer le truc. Bon. Mm-hmm. Tu te mets à côté, tu fais quoi? Je ronronne. Oh, le faillot. Et surtout qu'en faisant ça, je peux vraiment l'endormir. Mm-hmm. Je finis d'achever le truc. Tu fais une petite berceuse, quoi. Exactement. Génial. Très bien. La menace est écartée, tu peux en parler à ta congénère dans la salle. Les autres réentendent assez facilement un rompshit. Reboot, lui, en partie se cacher, bon, il sortira quand il veut. Bachivik, j'ai envie de savoir, est-ce que tu as envie de tâter de l'écureuil? C'est tellement sale. Écoute, pas de centre nous, hein, déjà, s'il te plaît. Mais je suis pas un chat facile. Mais oui, c'est ça. Bande de petits rats que tout fuir, je vais vous éclater. Donc, est-ce que je peux leur faire un mawashi coup de pied circulaire?
faire un combat griffus, du coup, si tu veux les éclater, parce que tu veux pas. Tu veux enfin y aller en parent. Hein. Tu lui fais un mawasha. Un mawasha. Eh bien, allons-y, hein. Eh bien, donc tu me fais un combat griffus, je repasse juste rapidement au reboot, qu'est-ce que tu fais? Moi de base, je voulais aller là en me disant sous le bureau, la caméra me verra pas, je pense, et savoir si je pouvais passer de ce côté-ci ou non. Pas vers le mur carrément? Ouais. Ouais. Mais j'estime que la caméra me voit pas sous le bureau, quoi. Bah si tu vas très rapidement, ouais. Ouais. On va voir une messe blanche courir, mais c'est tout, quoi. Oui, oui. Bah après, elle me voit aller sous le bureau, mais elle me voit pas passer à travers le mur, quoi. Non, non, elle te voit pas passer à travers le mur. Elle est bien que tu dis genre aller sous le bureau. Non, j'ai cliqué sur... Non, mon token est caché sous les bidules. Tu les enterrais sous le... Ouais, merci. Extirpé. Et nos deux amis qui ont sommeil, il y en a un qui a fait sommeil, Shinsei. Ouais. Moi, quand tu me dis que c'est bon, je sors comme ça. Ouais, je te le dis. Voilà, en mode la menace est passée. C'est bon. D'accord. Donc je monte sur la commande pour voir le coffre. Ah, il est très gros et très dur et il peut pas être poussé. Mais quelqu'un qui aurait très très beaucoup de force pourrait peut-être facilement défoncer la porte. Je dis ça parce que t'as déjà défoncé une porte. Hein, mais... C'est vraiment... Voilà. Ah bah je pourrais essayer, mais... Voilà. Devant la vieille... Le sommeil est puissant. Non, mais il est puissant, je pense. Il n'y a pas de soucis. Oh, t'inquiète. J'ai boosté, j'ai mis rang 2, tu peux y aller. Je tiens à préciser que comme tu as 4 en force, tu peux augmenter ton rang de griffe, en gros, à 9 en carac. Ouais, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, je crois déjà. Voilà. Si tu me fais un jet de force, je pourrais dire à quel point tu défonces bien ce petit truc. Voilà. Et reprendre le jet de combat griffu du coup de Bolchevik. Oui. Donc je fais combien quoi? Je fais juste un jet de dé plus combat griffu? Ouais. Et bah pas grand chose, 6. Ouais, l'écureuil, il est méchant. Il fait croire que tu vas l'attraper et au dernier moment, il saute. Il commence à arriver, il te saisit l'oreille et commence à la niaquer, en fait. Bâtard. Par contre, tu remarques derrière qu'il y a un autre petit problème. L'aspirateur s'est cogné à plusieurs endroits et là il est passé sur des coques de noisettes et il commence à faire des bruits bizarres tout en se dirigeant vers la bibliothèque. Mm-hmm. Il traverse le canapé et tout, le ouf. Bon, il passe en dessous du canapé. J'ai bien dit que le canapé était pas surélevé. Hein, donc, Bah moi, les écureuils, ça me fait pas peur, mais ce truc-là, oui. Ouais, surtout qu'il s'arrête devant la bibliothèque et il commence à faire des flammes bleues. Des flammes bleues, carrément. Ouais. Eh bien, je cours rejoindre mes camarades dans la chambre. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ou alors, je me casse de la baraque et je les laisse mourir brûlés. Mais... Reste pas un peu de pisse là pour éteindre le feu. Je suis à sec, j'ai tout donné dans l'ordinateur. Tu m'étonnes. Mais je t'en prie, hein. Alors, des fois d'avoir. Du coup, j'ai fait 3 sur le dé, mais j'ai pas compris. Est-ce que je multiplie par 2 le truc que j'ai de base ou plus la force? T'as fait combien en base? En base, j'ai 5 et donc plus la force, ça fait 9. Est-ce que je multiplie Ouais, laisse tomber, tu as voilà. Complété le truc, t'as, voilà. t'as fait plus 18 quoi en gros. Ouais. C'est le seul talent qui influence sa caractéristique pendant un certain nombre de temps, ce qui fait que tu peux littéralement tout défoncer. Tu penses juste genre décrocher la porte, enfin essayer de l'ouvrir, etc. Gentiment, et puis que ça s'entrouvre,
Malheureusement, c'est pire que ça, en fait. Tu ne fais pas juste entrouvrir la porte, tu la défonces, tu la réduis en charpie, en fait. Frustré de tout ce qui s'est passé, de cette mamie qui s'est endormie à côté et qui a failli quand même vous repérer, tu décides complètement de défoncer la porte. Et dedans, il y a effectivement le disque dur. Externe. Je le prends dans la gueule et je commence à partir avec. Très bien. Je dis non, il y a des flammes bleues. D'accord, tu t'en fous. Ah. si, mais du coup, j'aurais pu. Non, moi, je peux pas parler vu que je l'ai dans. Moi, je pose le disque. Tu peux. Si, on parle. C'est pas pratique. On parle par télépathie. On parle par télépathie, donc oui. Si. Oui, bah non, mais en vrai, j'ai télépathie. Bah oui. Ouais. Ou des flammes bleues, voilà, donc c'est télépathie. Voilà. Vous pouvez parler même quand vous voyez par télépathie, en fait, même si t'as la gueule prise. Ça t'empêche pas de parler puisque tu parles mentalement d'une certaine manière. Ouais. Voilà. Ouais. Est-ce que Reboot, tu ressors au cas où, je demande, puisque en termes de temps, j'ai un timeline. Oui, bah je passe si je vois rien de qui m'intrigue non. Ou autre, je recasse du coup. Si j'entends du bruit, bon, je me dirige vers mes collègues ou quoi, mais voilà, je me rapproche, on va dire. Mes collègues. Tranquillement. C'est tes camarades, tes camarades. Camarades, oui, c'était ça. Oh. Très bien. Donc du coup, il y a un conciliabule, là, vous êtes tous ensemble, votre chef d'équipe a saisi le disque dur. Ouais, ouais. Puisqu'il avait absolument être le chef qui nous sorte de là. Oui. Oui, donc je demandais, ouais. Elles sont où les flammes bleues? Tu vas à droite et tout droit. Au milieu des écureuils. C'est un complot. C'est de la merde. Voilà. Amuse-toi à déplacer maintenant. Voilà. Donc faut pas aller à droite. Ouais. Est-ce que à gauche d'ailleurs c'est la porte qui est au fond là. C'est quoi ça donne ailleurs? Elle est ouverte. La porte d'entrée. Elle est ouverte. Alors, non, elle est fermée. Ah. Il n'y a pas de petit point noir. Ah oui. Voilà. Moi deux autres par là. Et je commence à me tirer vers la porte qui est là. Là elle va bouger. Oui, tu peux bouger. Ouais. Je te suis alors. Mmh. Si on a tout bon ici. C'est tout bon. Moi j'attends. Moi je vais me mettre ici, je vais attendre juste que vous ayez ouvert la porte parce qu'à partir du moment où je vais trop m'éloigner, mamie elle va se réveiller. Mmh. Ah. C'est comme pour les. Toi, c'est comme les ordis pour moi. Ah oui. Elle va cramer la mamie, hein. Ouais. Mais c'est pas grave, on en a plein d'humains. C'est-à-dire se retrouve. C'est une jolie bibliothèque qui est en train de brûler, c'est dommage. Oui, j'aurais pu faire des pipis partout dans les pages. Non, mais elle va se réveiller. Elle va se réveiller, toi, donc c'est foutu. Ouais, si tu t'éloignes, elle va se réveiller, là. Elle va se barrer. Mais oui. Ah non, point douté. Non, puis c'est pas du tout contre la mascarade de voir qu'il y a des écureuils près d'un feu et d'un rumba. Voilà. Ok. Bon, moi je serais d'avis qu'on se casse quand même. Oui. Moi j'ai le truc dans la gueule, j'attends qu'on m'ouvre la porte. Eh bien, je peux tenter d'aller ouvrir la porte. Qu'elle s'ouvre vers l'intérieur la porte, c'est plus compliqué. Comment? Attendez, moi je passe. Alors, pourquoi on me déplace? Non. Ah, je me suis trompé de token. Je suis là, hein. oui, excuse-moi, je t'ai pris tout à l'heure aussi, Lolo. Oh, en tout bien tout honneur, j'espère au moins. Okay, là, ça, ok. Non, je peux pas m'éloigner de mamie sinon elle se réveille, dépêchez-vous. C'est pas faux. Comment ça s'appelle, Bolchevik? Tu tournes la poignée. D'accord. Et moi je pousse de l'autre côté. Pousse folle, mais fais pas popo, hein. Très bien. Alors.
Hop là. Un jet de souris, un jet de griffe, du coup. Je vais y arriver. Griffe pour la porte. Saut pour ouais. Qui bah pour celui qui doit appuyer sur la poignée. Oui. Pour la déverrouiller. C'est moi qui saute. C'est oui. Pas bah sauteur exceptionnel. Ok, donc c'est bon. Il reste plus le jet de force. Vas-y. Fais mieux. Coup griffe et bah, j'ai fait 16. Bon, ça va. Fumble critique. Tu as deux doigts de renverser Sinsé et son disque dur qui sont un peu dans le champ. Bolchevik, qui est sauteur exceptionnel, réussit à sauter vraiment un petit peu plus loin que la porte qui s'ouvre, hein, parce qu'on ne faut pas non plus déconner, il n'allait pas se taper un mur. Et. Chou, ça. Et bien évidemment, la porte est entrouverte. Voilà, ça, c'est un gros point. Ouais, mais c'est parce que c'est la fin, c'est pour ça. Voilà. D'accord. Moi, des cassous, je passe. C'est ça. Moi, je m'éloigne du coup pour que mon talent s'arrête sur la vieille et je miaule un dernier coup pour essayer de la réveiller avant de partir. Oui, elle sort et fait. Et je détale. Oh, oh mais j'avais pas arrêté le poulet. Oh mon dieu, c'est terrible. Et elle commence à sortir pour aller appeler les pompiers parce qu'elle voit bien que clairement ça craint tout, etc. Voilà. Elle vérifie quand même qu'il y a personne dans les portes, etc. Et elle voit bien qu'elle est seule et elle finit par sortir. Elle se rend compte qu'il y a le feu quand même. Ah oui, non, bah il y a le feu, oui, clairement. Vous, en attendant, vous êtes carrément ressorti. Il y a un agent de la mascarade qui arrive et qui dit « Ah, vous avez déjà terminé, en fait ?» Voilà, l'expertise, petit. Nous sommes des experts. Très bien. Eh bien, l'agent dit « Je suis venu vous récupérer, parce que bon, comme aucun de vous n'a téléportation, et vous re-téléporte au Conseil de Paris où vous allez finir cette mission. On vous demande de faire un rapport sur cette mission, sur ce qui s'est passé. Tout s'est bien. Et derrière, t'as la maison, tu sais, qui commence à cramer de partout. Tout s'est bien passé. C'était normal. Facile, c'est facile. C'est le même avec la petite fille qui sourit, tu sais. Toi, j'adore quand un plan se déroule sans accroc, tu sais. C'est ça. Un token de chat qui a disparu ? Oui, je me suis descendu, pardon. Oh, pauvre bête, il va falloir l'enterrer. Oh non, mais je faisais des petits bizarres, il est pas parti avec les autres, il en a rien à battre, tu vois, et tout. Oh, mais ça a droit, hein. Personne n'a dit que c'était grave. J'étais rentré au bureau, c'est bon. Ah d'accord, je vois. Et voilà. Ah. Parce que je le vois bien. Ça va l'ego, tu te sens comment? Je sais pas, je te dirais ça qu'ils auront fait une statue à mon effigie. Très bien. Vous êtes donc accueilli par Chachou, le grand ragdoll, le président du Conseil de Paris. Qui... Ah, mais vous avez déjà terminé. Je pensais que vous mettriez un petit peu plus de temps. Pas trop d'accro dans votre mission. Non. On a juste perdu Reboot. Non. T'es où? Ah non, t'es là. Non, je pense, hein, camarade, tout s'est bien passé, hein. Oui. N'est-ce pas? Et puis je regarde avec un... N'est-ce pas? Oui. Moi, je pose le disque dur devant lui, bien sûr. Mission accomplie sans accro. Enfin, avec une, oui. Avec une mise en feu, quand même, quand on est parti. Sans accro. Ah bon miaou, une mise en feu. C'est non, bien. Non, pas une mise en feu. Il a mis. Oui, c'était la fête, on a mis le feu. Et
De ce que je sache, c'est qu'il n'y a aucun chat qui est réellement de talent pyromane. Donc, comment est-ce que vous avez mis le feu exactement? Ah, nous, on n'a pas mis le feu. C'est des écureuils. Pardon, des écureuils. Une team, hein. Une team. Oui. Oui, des petits squatteurs, des vilains rats touffus qui sont rentrés dans la maison en même temps que nous et qui ont mis le feu. Touffus qui ont mis le feu. Mais je voulais dire que il y a des rats touffus, des écureuils, qui auraient mis le feu, donc qui ont assez d'intelligence pour monter un plan aussi machiavélique. Non, pas fait exprès, je pense, pas fait exprès. Très bien. Et vous avez réussi à trouver les deux éléments dont nous avions missionné pour. Je vois que vous en avez un d'entre eux, là, juste ici. L'autre détruit. Facile. L'autre détruit. Ah oui, et comment avez-vous fait, du coup? Comme ça. Un petit tour de piste passe. Un pisse-pisse. Pisse-pisse. Un pisse partout, ouais, surtout. Tiens, écoutez, j'ai mené une petite enquête, mais évidemment, vous vous rendez bien compte quand même que nous avons une certaine part de responsabilité dans votre mission. Il semble que vous y ayez grandement et rondement mené de tout poil cette mission, mais il semblerait que vous nous avez un petit peu occulté quelques détails. Voilà. Évidemment, nous n'avons toujours pas compris pourquoi des écureuils seraient assez suicidaires pour rentrer dans une maison, mais il semblerait que, comme il n'y avait personne depuis un moment, ils ont eu, des coronesses un petit peu trop grandes. Ils n'ont pas vu que, bien évidemment, ils avaient plus intelligents qu'eux devant. Bon, la grand-mère semble être un petit peu secouée. Nous avons réussi à transformer l'histoire un petit peu, et bien évidemment, comme je vous l'ai promis, nous vous servirons ce soir, grâce à l'un de nos agents, un très bon repas chez Froufrou. Oh, Froufrou. Le soir, au niveau de chez Froufrou, vous êtes dans une ruelle, on vous sert une espèce de couscous taboulé, donc il y a un petit peu de sucre, voilà, c'est plus ou moins bon au goût de tout le monde. Si vous demandez à ce que le poulet soit un peu plus craquant ou plus doré, un des agents vous hypnotisera un humain pour que ça soit un petit peu plus à votre goût. Le soir, on voit à la télé, vous voyez à l'intérieur une télé qui indique qu'apparemment des écureuils ont été formés par un cartel de drogue et qu'ils espéraient bien pouvoir mettre la main sur une technologie contre argent, puisque apparemment ils avaient eu beaucoup de soucis. Je sais pas si cette information avait l'air complètement what the fuck, mais c'est tout ce qu'avait trouvé la régie qui sert de bouclier quand il y a des échos à la mascarade. Vous gagnez en popularité, puisque c'est une mission réussie, vous gagnez à peu près 8 points de réputation. Ouais. Aucune idée de ce que ça représente, mais super. C'est ça. Ah bah les 8 points de réputation, c'est quand effectivement tu as gagné en fait un certain nombre d'expériences. Et en fait, ces points de réputation te permettent de dire un choix, non, tais-toi, moi j'ai fait plus de missions. Voilà, c'est un peu plus simple. Ah. C'est bon. Hey, il y a du monde qui arrive. Coucou. Une sorte de classement. Ah, il y a un petit raid de la petite poche JDR, c'est gentil. Voilà. Eh bien, c'est donc la fin de cette mission où nous avons donc eu des chats qui ont coursé des lézards, des petits cafards. Non, mais j'ai pas fait le petit cafard. Non. Le lézard, il m'est resté que la queue entre les dents. Désolé, j'ai pas pu me retenir. Non, parfait, nickel. Franchement, on change rien. Pigeons, vous avez quoi? Les pigeons, les écureuils. Le feu, voilà. Les ballons. Ouais, non, les ballons. Ah non, ah là, ouais, là, les ballons, ouais. Les ballons. Oui.
Pas moi, hein, ouais. Mais vous aussi. Alors, pour le sondage, qu'est-ce qui vous a le plus étonné du coup dans ce scénario? Le truc que vous avez trouvé le plus what the fuck? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. En termes what the fuck, beaucoup. Déjà clairement, rien que l'histoire des ballons, tous les ballons en fait dans le bureau déjà, je sais pas. Oui, ça, oui. Qu'est-ce que ça foutait là? Oui. Oui, ça, on sait toujours pas pourquoi il y a des ballons. Ouais. Je pense pas que c'était pour fêter la castration des chats. Non, parce qu'en fait, ils étaient chez les coucous parce qu'ils sont malades. Mais du coup, il y avait aussi un agent qui devait être là pour hypnotiser le vétérinaire. Je pense qu'ils étaient bien castrés et tout, mais c'est pas le cas. Mais du coup, l'appareil qui fait comprendre le langage des chats était chez cette vieille dame? C'était la mère, du développeur. Il trouve qu'en fait, le développeur avait codé beaucoup de parties chez lui. Parce qu'il restait beaucoup chez lui, et qu'avant de faire la mise à jour du code sur les serveurs de son entreprise, il fallait qu'il fasse une mise à jour. Donc ils ont bloqué la mise à jour, pendant ce temps-là, vous aviez le temps, vous, de récupérer l'élément le plus important, c'était le bout de code. Bon, malheureusement, c'est un peu compliqué, il se trouve qu'il avait une clé avec son bout de code, donc il réussira à le redévelopper de nouveau. Le bâtard. Ils sont obligés de partir en entreprise pour voir s'ils peuvent éventuellement contrer le problème avant qu'ils ne prennent plus d'ampleur. Mais c'est quand même vous qui avez mis en déroute son plan. Oui, ils ont retardé tout, au moins. Quoi. Très bien. Bah, parfait. Mm-hmm. Moi, j'avais bien le côté où on savait jamais trop, vu que tu restais très flou. Et l'imagination, vous voulez faire que ça parte plus en couille qu'au final, ou bah oui, ça reste des écureuils, ça reste un lézard, ça reste une pile de fringues sous un plumard, enfin voilà quoi. Avec la pile de fringues. Ah ouais. Les écureuils, c'est pourtant un grand classique. En fait, à la base, ce scénario est parti d'une vidéo où je voyais un chat course un écureuil. Et c'est très rapide. Ah oui. Extrêmement rapide. Et je me suis dit, tiens, ça serait marrant de faire un truc avec les écureuils, c'est un peu devenu ma patte. Et quand je vois l'écureuil avec les bras un peu flasques, parce qu'ils ont vraiment un petit bout de peau, les gens ont du mal, j'ai droit à des ratons laveurs, des rats, des fouines, et autres, des furets. J'avais beau dire que c'était une queue touffue, on me sortait quand même très souvent le rat, parce que je ne donnais pas la couleur. J'ai beaucoup joué avec l'aspect numénéra, en fait. L'aspect où tu ne sais pas ce que c'est, mais tu le décris. C'est-à-dire qu'après, c'est vrai que pour le coup, en fait, moi, j'ai pensé à l'écureuil à partir du moment où t'as dit que justement, quand il était debout, la queue était derrière aussi haute, voire qui le dépassait en fait. Dit que la queue est haute. Ouais, parce que un rat peut pas lever la queue quand il est sur les pattes arrière, alors qu'un écureuil, oui. Ah, je ne savais pas ça. Qui a fait que. J'attendais quand même d'avoir l'image pour être sûr de ne pas dire une connerie. Elle est belle mon image, regarde, on dirait un écureuil. Bah oui. Ah bah elle est géniale. Olé. En tout cas, je te remercie, c'était cool de découvrir un peu Cats autrement qu'en lisant le bouquin. Même si, je reviens, il est là, hein. Il est un peu épais, donc c'est bien aussi de le découvrir autrement. Je me suis amusé pendant là sur la fin à dépuncher les cartes et en fait à la fin je me suis dit, mais je vais les mettre où? Moi ce que j'aime bien c'est l'écran, je trouve qu'il est classe l'écran. L'écran est très classe. Ah bah, je vois que tout le monde a ses petits trucs. Moi là j'ai les dés là devant. Les dés je les ai là. Ah bah voilà. Non, moi j'ai pas. Pour les cartes de faveur, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, Dats, parce que il se trouve que on a une personne qui m'a envoyé, mais qui l'a pas encore mis dans les ressources, il me semble, qui a. Alors, wallpaper, je vérifie. Bon, il l'a pas encore mis. Si, il l'a mis. Il y a eu quelqu'un qui a mis sur le Discord de Cats un fichier pour faire un étude de rangement pour les cartes de faveur.
Donc vous pouvez le trouver en fait je avec t'aime. Le lien sur Discord, il se trouve sur la scénariothèque. Ah, pour ce qui est là-dedans. Oui, ouais, pour les petites cartes. Justement, je les ai pas sortis de peur justement de les perdre parce que j'ai rien pour les ranger. Et ben voilà. Et ben on regardera sur le Discord. Certains les mettent avec PD, d'autres ont créé des étuis. Voilà. Mm. C'est après l'avantage de la communauté de cats, c'est que on a bien au moins 300 personnes quand on a. Ouais, on a même pas. On arrive sur les 2 ans d'existence quand même du serveur. Je l'ai lancé en. Non, même pas, je crois. Un doute. J'ai dû le lancer un peu. Ouais, je crois que j'ai dû le lancer en 2020, si je me souviens bien. Mmh. Et le serveur maintenant a plus de 300 personnes. Et en fait, avec l'arrivée de Kat, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les gens créent plein de matériel autour que potentiellement on n'avait pas pensé à faire, hein, dont l'étui de rangement, qui est vachement pratique. Mmh. Moi, j'avais commencé à imprimer les miens, je les ai pas encore pliés. Mais j'en ai pris plusieurs parce que je fais des parties, donc j'en offrirai sûrement à des personnes quand je fais des parties sur Paris, qu'elles puissent avoir les leurs. Et quelqu'un qui dit sinon chez Jiffy apparemment. Le bouquin est quand même classe quoi. Le bouquin est très très chouette. Mmh. Oui. Ah oui, sur la scénariothèque, quelqu'un a partagé un deck holder aussi. Et ouais. Non, bah il y a pas mal de choses. J'ai mis le lien Discord pour Cats. Voilà. Ouais, j'espère dans tous les cas que s'il y en a qui ont envie de tester le jeu, ils n'hésitent pas. Il n'y a pas beaucoup trop de parties pour l'instant en ligne parce que j'ai dû mettre un peu le holà sur les initiations découvertes du Discord. Mais de temps en temps, on lance des ateliers de discussion ou de MJ. On en a fait un il n'y a pas longtemps autour des scénarios. Quelque chose de très posé qui a été lancé un peu à l'arrache d'ailleurs. Je pense qu'il y en aura aussi sur la création de fiches de personnages. Pour l'instant, on n'a pas de générateur qui permette de la créer automatiquement. Et puis bon, après, si vous passez, si vous cherchez aussi des parties, des personnes qui en proposent en association ou en convention peuvent très bien poster leurs propositions de parties. Donc c'est plutôt assez chouette. Voilà. Mmh. Et on peut préciser quand même qu'il y a 9 scénarios, il y a peut-être 300 pages dans 4 à peu près, mais il y a quand même plutôt 9 scénarios qui font la moitié du bouquin. Je connais pas beaucoup de jeux de rôle qui vous proposent 9 scénarios clés en main dès le début. C'est vrai. Ah oui, non. Surtout qu'en plus, il y avait. Ça faisait partie en plus des paliers qui étaient débloqués, je crois. Mm. Et dans les paliers débloqués, il y en avait quelques-uns, je crois, des scénarios, justement, qui faisaient partie au niveau du financement. Ouais. Il y a même un scénario qui s'appelle Da Vinci Cat, que je dois avoir là, qui est tout petit, qui est plutôt un petit livret à côté, qui lui par contre était avec l'écran du MJ. Ouais, je l'ai. Voilà. Je l'ai pas. Ah. T'es content, tu voulais des croquettes, c'est ça? C'est ça. Ah, c'est celui-là. Le fameux coup de queue. Le Da Vinci Cat. Votre tour, Indigo, Badane, là-dessus. Bah, c'est très sympathique. Moi, Cats, comme ça, moi j'aime bien le principe de jouer à ça. Après, là, c'est vrai que ça reste un truc d'initiation découverte, donc voilà. Oui. Mais là, c'était léger, on va dire, au niveau. Je sais pas. Enfin, c'était simple, entre guillemets, quoi. Mais c'était. Ouais, voilà. En même temps, c'était guidé, tout ça, tranquille, mais ouais, je pense que c'est un moyen d'être bien marrant. Après, moi, je fais pas du tout MJ, donc ça rend juste en tant que joueur. Mmh. Bah, il existe beaucoup de petites aventures. Tu as Il faut sauver le chaton Ryan, qui est peut-être un petit peu plus mouvementé, parce que tu passes à différents lieux. Ça peut être sympa si jamais tu le testes. Après, là, c'est vraiment le scénario d'initiation en huis clos qui permet un peu de gérer les compétences et les talents. Ce que j'appellerais le palier découverte, quoi. Et après, on peut se lancer un peu plus facilement dans l'aventure quand les gens ont bien en main le système. On recommande très fortement de jouer à Tati Daniel, pour ceux qui ont le livre. C'est juste hallucinant. Ce scénario, je crois que c'est un de mes préférés dans les officiels. Super. Morgane ? Ah ben, j'ai envie de te dire, que les chats c'est supérieur aux vampires. Hein.
Ah bah attends. Quand tu joues à Vampire, bah, à Saint-Vincent, il faut simplement que tu dois prendre une voiture. Là, tu peux te TP. Oui, c'est vrai. C'est tellement mieux, attends. Pratique. Ouais, je suis désolé, les chats sont trop supérieurs aux vampires, là. Après, on n'a pas exploré, effectivement, le lore, les sociétés, les choses comme ça, qui complexifient un peu, qui politisent le truc un peu plus, voilà. Oui. Oui, mais je veux dire, simplement, un point de vue, en fait, des capacités que t'as. Oui. T'as pas de contrepartie, quoi. Parce que t'as pas la bête, t'as pas de trucs comme ça. T'es moins limité, quoi. C'est ça. Mais oui, c'est normal. Mais oui, on s'est bien amusé. Et tu nous as proposé un petit scénar. Ouais, c'est un petit scénar d'initiation, tout bête, mais qui match et qui fait le taf pour présenter un peu le truc, pour présenter un peu la mécanique. Donc. Moi j'ai envie de te dire, c'était cool, c'était sympa, j'ai bien aimé, je suis content d'avoir le bouquin, je pense qu'il y en a encore des exemplaires qui sont disponibles, donc voilà. Qu'est-ce qu'on me dit, les jeux incluent beaucoup d'ouvertures pour des scénarios campagne incluant des vrais combats de factions féminines pour de la diplomatie / espionnage et des intrigues conflictuelles intérieures au groupe de joueurs. Donc on résout les problèmes extérieurs et on se met sur la gueule en intérieur aussi. Dans les scénarios, de toute façon, quand t'as une faction, tu peux très bien tirer dans les pattes d'un autre chat pour réussir à, je sais pas, tuer un simiesque, parce que toi, ton but, c'est de tuer des simiesques, etc. Maintenant, il n'existe pas encore de scénario très politique, mais c'est en cours. Enfin, y a des gens qui ont des idées, donc peut-être que ça sera un peu plus développé. Après, ça dépend aussi de l'appropriation du MJ. Hein. Oui. C'est certain. Bon, moi, j'en ai une là qui s'énerve. Qui me dit humain, humain, viens au lit. Elle est ronchonchon. Ah ouais, elle arrête pas de râler. Là. Un vrai coup de machin. Je vais pas vous la montrer. Elle est avachie et elle attend que je la caresse. Enfin, je la caresse. Hein? Vous avec la queue, moi j'ai son anus sous le nez. Hein. Le fameux. Ouais, celui-là. Le passé, là, hein. Je pense que j'ai pas pu les empêcher de passer. Oui. Et une surtout. C'est ça. Je sais pas. Une, ouais. Une. Ah bah voilà, on parle de toi, c'est bon. Voilà. Moi j'ai la mienne qui est en train de. Bon, elle dort pas, elle est couchée sur sur le pouf, les yeux ouverts. Donc là, je vous remercie tous. Je vais lancer un raid sur Goldie. Je vois, il y a 5 personnes chez lui. Donc, si vous voulez rester un petit peu pour lui faire un coucou. Encore merci à tout le monde. C'était cool. Merci à ceux qui ont visionné. N'hésitez pas à nous faire des retours. Allez aussi voir un petit peu chez BBE ce que Kess propose. Et puis sur le Discord, je vous ai mis le lien. Merci à la team Stream, hein, toujours présente pour partager des moments. Parfois sympa, parfois étrange, parfois pénétrant. Et parfois tout en même temps. Et parfois tout en même temps. Voilà. Et ben, je vous dis à bientôt. Je lance le raid maintenant. Comme ça, on peut faire un petit coucou à Goldie.